Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Bonsoir à nos invités. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Ça se discute. Je suis ravi de vous accueillir pour ce Ça se discute consacré ce soir à un délicieux poison. Il ne s'agit pas de chocolat, d'arsenic ou de cyanure. Il s'agit d'autre chose, d'un poison vraiment délicieux. La célébrité, Madame, Monsieur. Franchement, qui n'a pas rêvé une fois dans sa vie de devenir célèbre, d'être reconnu, admiré, acclamé, de déchaîner les passions, Monsieur? Oui, si, quand même. Mais très franchement, qui a envie aussi de se retrouver dans des positions pas franchement avantageuses à la une des Voici, Closer, Public et autres Ici Paris ou France Dimanche qui sont lus chaque semaine par plus de 12 millions de Français? Qui a envie d'essuyer les critiques, les insultes parfois, de tomber dans l'oubli après avoir connu le succès et l'argent? Bref, qui a envie de payer le prix parfois très lourd de la notoriété? La célébrité est un délice. Nos invités de ce soir nous diront pas le contraire, mais la célébrité est aussi un drôle de poison et certains de nos invités n'ont pas toujours trouvé l'antidote. Je vous les présente d'ici quelques instants, juste après ce sommaire en images. Ne zappez pas! Tout est possible, c'était plus possible pour moi à vivre nerveusement. L'émission a duré 4 ans et les deux dernières années j'avais pris 15 kilos, je mangeais, j'avais plus très envie de sortir. La fin de l'émission pour moi ça a été un vrai soulagement. On est vraiment bien. Ok, on fait le raccord érectif s'il vous plaît. J'ai du mal à imaginer que ma vie privée puisse intéresser les gens. Ce que je mange au petit déjeuner et ce que je fais dans la journée, ça les intéresse, mais c'est pas le meilleur côté, on va dire, du métier. Action ! Clap de fin ! Pour les gens du métier, quand on fait de la télé, en tout cas une série depuis si longtemps, on est identifié à un personnage et ça enferme dans quelque chose. Donc, peut-être qu'indirectement, pour eux, dans leur carrière, ils ont la chance d'être dans une série qui marche, mais à l'inverse, ça ne leur ouvre peut-être pas forcément d'autres portes en dehors de celle de la télévision. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Il y a une vue mortelle. Hey, les pauvres, ça vous dérange pas d'avoir des baraques de chiottes à côté de la mienne? Il m'exaspère, je peux plus, je supporte plus. Ouh, je suis un méchant garçon. La célébrité ouvre des portes, et mais si on n'est pas bon dans ce qu'on fait, quel que soit son domaine, c'est sûr que ça les referme très très vite et encore plus vite parce qu'on est attendu au tournant. Bonsoir, merci pour eux. Jean-Marc Morandini est notre invité. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Rebecca Hampton et Juliette Chen de Plus belle la vie. Bonsoir, bonsoir à toutes les deux. Vous démarrez, si j'ose dire, dans la grande, grande célébrité, même si vous avez déjà une carrière derrière vous. Vous nous direz comment ça se passe, les bons côtés, puis les côtés un peu plus agressants parfois, même si vous en tirez plutôt le meilleur. Sarah Marshall est également notre invitée. La célébrité est une affaire de famille pour Sarah, puisque sa grand-mère, vous le savez, Michèle Morgan. Et donc toute petite, on vous a expliqué ce qu'était la célébrité, que votre famille est une famille de gens célèbres. Ce que vous expliquez à votre fils aujourd'hui. Caroline Loeb, on se connaît bien, on a commencé, je crois, à peu près en même temps, qui revient aujourd'hui, qui a connu des moments très difficiles dans les revers de la célébrité, qui viendra aujourd'hui nous parler de son rebond, et notamment de ce qu'elle veut faire aujourd'hui, de la façon aussi dont elle veut vivre la célébrité. Et merci d'accueillir également notre incroyable fiancé, mon incroyable fiancé, Laurent Lournac. Bérangère et Daniel, qui n'ont pas cédé à la tentation, qui sont avec nous, un couple assez incroyable qui a fait beaucoup parler de lui cet été. Bernard Montiel, que tout le monde apprécie, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Bernard. Merci Jean-Luc. Avec cette machine anti-langue de bois qui vous caractérise. Et puis nous recevrons également Séverine Ferrer qui va nous donner son point de vue. Jacques Pradel, un expert de la télévision également. Et puis le couple vainqueur de Koh-Lanta. Tout de suite, je vous présente celle qui conclura notre émission de ce soir. Elle a presque 40 ans de télévision derrière elle. C'est donc une experte pour parler de ce sujet. Je vous demande d'accueillir Daniel Gilbert, mesdames, messieurs. Oh. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Est-ce que le succès peut-il être trop lourd à porter, de votre point de vue? Pour moi, alors, c'est pas trop lourd du tout. Je trouve que c'est une chance. Et ce qui me plaît, ce sont les gens, les autres. Et la notoriété m'apporte la communication. C'est pas le fait d'être connu, parce que si être connu, c'est le nirvana, on n'a qu'à nous mettre dans un téléachat, on nous pose sur une étagère, et puis voilà. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette espèce de lien affectif avec les gens. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et j'ai beaucoup de bonheur, malgré toutes les vicissitudes, les vacheries qu'on a pu me faire. Le public était... Parce que Dieu sait que j'ai eu mon lot. Mais j'ai toujours trouvé que la bouteille était à moitié pleine et non pas à moitié vide. Quel regard vous portez sur les affres de la célébrité? Les affres? Oui, le côté plus difficile à vivre. Oui, enfin, il est difficile si on a des choses à cacher, si on ne veut pas montrer certaines choses. Mais si on ne veut pas voir de monde... Moi,
de mon point de vue. Je ferme la porte, je reste chez moi si je veux pas voir de gens. D'accord, mais enfin, on va pas rester chez soi toute sa vie non plus. Non. Parfois la descente est difficile, Daniel, c'est ce que je voulais dire, l'après-succès. Alors je vais vous dire, bon, en ce qui me concerne, ça fait quand même quelques temps que la télévision m'a virée. Ça commence à faire, après je suis revenue dans la ferme, bon. Mais j'ai toujours eu le contact avec le public. Et ça, ça balaye toutes les vicissitudes. Mais ça, ça n'engage que moi. Mais depuis que vous êtes croisée, Daniel, vous dites toujours la même chose. Donc je ne vais pas remettre votre parole en doute. Vous êtes toujours la même et c'est assez rassurant. Non, je n'ai pas changé. Nous avons la Tour Eiffel et nous avons Daniel Gilbert qui n'a pas changé. Non, mais Jean-Luc, je sais qu'on préfère dans les émissions qu'il y ait des polémiques. Moi, je ne suis quelqu'un de spontané. Ah oui, je ne peux dire que ce que je ressens. Vous-même, est-ce que vous êtes très malheureux avec la notoriété? Non, ça dépend. Il y a des coups qu'on prend qui sont parfois un peu durs à supporter, mais enfin, on finit par se blinder avec le temps, je pense. Oui, oui, oui. Et puis, enfin, ça dépend du caractère aussi. Si on a un équilibre par ailleurs, et puis... Moi, c'est... Ouais. Hein? Voyez ce que je veux dire? Certainement, Daniel. Merci. Vous êtes toujours en couple, tout va bien? Moi, ça va bien, merci. Bon, c'est très bien. Jean-Marc Morandini est notre premier invité. Jean-Marc, on se connaît depuis longtemps, nous aussi. On a commencé à peu près en même temps. Mmh. Vous aviez 25 ans, c'était tout jeune quand vous avez commencé Tout est possible, en 93, ouais. Jusqu'en 93. C'était une émission qui a duré 4 ans, qui a connu un succès monstrueux. Vous étiez préparé à un tel succès par les producteurs? Non, je n'étais pas préparé du tout. Moi, j'arrivais d'une formation purement journalistique. Quand la 5 s'est arrêtée, puisque j'étais journaliste à la 5, ouais. Je suis ensuite allé à Télématin, où j'étais juste un petit chroniqueur une fois par semaine. Et tout à coup, j'étais propulsé sur TF1 en deuxième partie de soirée. Donc, je n'étais pas prêt du tout à cette notoriété soudaine, 25 ans, à cette hyper-médiatisation en plus, parce que dès qu'on est sur une grosse chaîne hertzienne, forcément, on se retrouve avec plein de papiers dans les journaux. On se souvient de Tout est possible dans le public? Oui et non, oui, ça a laissé des traces. Et pourtant, ouais. Même moi qui ai connu cette émission, je ne me souviens plus exactement ce qu'il y avait dedans. Ben moi non plus. C'est ça le problème. Comment décrire le concept? Le concept, en fait, c'est un concept qui a évolué au fil des ans. C'est-à-dire les deux premières années, on prenait des gens qui avaient vécu des aventures extraordinaires. Ça commençait très tranquillement. Je me souviens par exemple que pour la première, pour ce qu'on appelle le pilote, on avait fait une femme qui était garde du corps. Voilà, donc rien de très exceptionnel. Et puis au fur et à mesure, comme l'audience montait, à chaque fois on se disait, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire encore plus d'audience? Et on trouvait des sujets de plus en plus trash. On a fait Lolo Ferrari, par exemple. On a fait des histoires de crimes. On parlait de lancer de nains. Voilà, on parlait de trucs qui, même aujourd'hui... Comment vous viviez, vous, en ex-journaliste, même jeune homme, mais quand même avec un certain recul? Bah, écoutez, c'est assez compliqué parce que, d'une part, moi, j'étais journaliste et j'avais face à moi des professionnels qui me disaient, écoute, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de l'audience, c'est comme ça que tu vas avancer, c'est comme ça que tu vas progresser. Donc, moi, je leur faisais vraiment confiance. Même si, parfois, des sujets ne me plaisaient pas, je pensais que c'est moi qui avais tort. Voilà. Je me disais, eux savent, eux me mettent sur la bonne voie, donc je me laisse faire, d'autant plus que j'étais ni producteur, oui. Ni rédacteur en chef de l'émission. Jean-Marc, j'ai l'impression que la mauvaise voie, en fait, c'est de vouloir faire toujours plus d'audience. Quand bien on sûr. En a déjà beaucoup, ça suffit peut-être, bien non sûr. Mais là, vous êtes sur France 2, oui. Et là, j'étais sur TF1. Oui. Voilà, toute la différence. C'est la grande et différence. Et l'approche est une grosse différence. Donc au départ, vous portiez un regard plutôt bienveillant à cette émission, bien qui sûr. Vous semble être une émission assez classique pour un journaliste, somme toute. Quand les critiques ont commencé à fuser, est-ce que vous avez vu arriver l'ampleur du carnage? L'ampleur, non. C'est-à-dire que les critiques ont vraiment commencé au bout de la deuxième année, quand l'émission a commencé à faire plus de 50% de parts de marché. Et à ce moment-là, on a commencé à se faire descendre dans la presse. Et moi, j'étais en plein dedans et je me disais, oh là, mais pourquoi sont-ils aussi agressifs? En fait, je ne me rendais pas compte de la réalité, je crois. Je crois que j'étais vraiment naïf à ce niveau-là. Et comme j'étais très entouré, j'étais dans une bulle qui était faite par la chaîne de télévision, finalement, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte qu'il y avait de la réalité dans ce qui était dit par les journaux. On va regarder ce premier reportage. Vous êtes présent tous les jours à la radio sur Europe 1. Vous décryptez les médias, également sur Direct 8, une chaîne de la TNT gratuite. Nous vous avons suivi pendant toute une journée. On a rencontré certains de vos détracteurs qui travaillent aujourd'hui avec vous. C'est assez fair play. Ça va être une jolie revanche sur la vie aussi. C'est un reportage de Corinne Biès et de Sébastien Giraudon. C'est amusant parce qu'en plus, j'ai jamais revu les émissions. Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur TF1 après 3 semaines d'absence, un temps qui nous a laissé... Ah, j'ai jamais revu ces cassettes, j'ai jamais regardé, parce que ouais, j'en ai pas envie, et puis voilà, je suis passé à autre chose, et j'ai pas envie de revoir ça, de revisionner ça. Sommaire, mais tout de suite, j'accueille mon grand témoin, voici Didier Derlich. C'est pas quelque chose qu'on vit bien, forcément, c'est quelque chose qu'on se prend en pleine figure, Moi, j'étais surtout malheureux, en fait, au départ, pour ma famille, pour mes parents, qui lisaient tous ces articles qui étaient super durs pour moi.
L'émission a duré 4 ans et les deux dernières années, j'avais vraiment du mal à l'assumer. J'avais pris 15 kilos, je mangeais, j'avais plus très envie de sortir. Je sortais juste pour faire l'émission. Donc voilà, je crois que c'est ce moment-là qui a été le plus dur. La fin de l'émission, pour moi, ça a été un vrai soulagement. Mais il était clair que tout est possible. C'était plus possible pour moi à vivre nerveusement, humainement et psychologiquement. J'avais le sentiment que c'était plus possible de continuer à être journaliste. Donc je me suis dit, voilà, si j'arrive pas ni en France ni à l'étranger, ben, je vais faire autre chose, je vais changer de métier, je vais ouvrir un resto, je vais ouvrir un bar, je vais faire quelque chose de totalement différent. Mais je voulais tourner la page, de toute façon, ça c'était clair, parce que ça me faisait trop mal et ça me correspondait pas. Après l'arrêt de Tout est possible, Jean-Marc Morandini a eu sa traversée du désert. C'est à la radio qu'il va rebondir, il décortique quotidiennement les émissions du PAF, mais Muriellès a eu du mal à l'imposer car plus personne ne croyait en lui. Le problème c'était l'image trash, l'image du type qui a fait une émission qui avait une réputation un peu sulfureuse, quoi. Voilà, et donc... on ne va pas prendre quelqu'un de ce type sur Europe 1, qui est quand même une chaîne qui est une chaîne... Avec un public haut de gamme, élitiste, donc voilà. C'est, exactement. C'est à l'opposé de ce que et donc, je faisais, ça faisait, sur, il faisait sur TF1. Il faisait extrêmement peur. Mmh. Et donc, il a fallu que je me batte, mais vraiment sérieusement, vraiment, vraiment. Mais quand je veux quelque chose, j'essaie de l'obtenir en général. Je suis assez coriace. La popularité de l'ancienne vedette de TF1 ne laisse pas indifférent tout le monde. Rodolphe, 25 ans, l'un de ses collaborateurs, à l'âge qu'avait Jean-Marc Morandini à l'époque de Tout est possible. Si on propose Tout est possible, j'y réfléchis, c'est logique. On peut pas se dire forcément, on peut pas se dire non, etc. Ça ne m'intéresse pas. Si on propose Tout est possible aujourd'hui, tu y vas ? Je pense. Franchement, je pense. Même en sachant tout ce qu'il y a derrière, toutes les claques que tu te prends dans la gueule, etc. À 25 ans, n'importe qui, mais j'en ai parlé à plein de monde, n'importe qui me dit « Mais oui, bien sûr, on accepte, etc., quel que soit le contenu. » Oui, mais accepter, c'est pas parce que tu acceptes que c'est bien, de toute façon. Ah bah c'est qu'après, ce que je regrette pas, c'est d'avoir accepté. Ça, c'est clair, je regrette pas d'avoir accepté de faire de cette émission. Ce que je regrette, c'est le contenu de l'émission et ce qu'elle est devenue. C'est 28. Salut. Salut, tu vas bien ? Ça va, bonjour. Ouais. Bonne émission, tout le monde. Merci. Hop. Jean-Marc Morandini, bonjour. Bonjour, jolie Julie, bonjour à tous. Vous allez être les premiers à tout savoir sur les coulisses du petit écran. Énergie 12. À la radio, Jean-Marc Morandini travaille avec des chroniqueurs et certains d'entre eux sont ses anciens détracteurs. Décalé, j'avais l'image de lui, de la Trash TV, Tout est possible sur TF1, c'est vrai, d'une star de la télévision. Et en fait, je découvre ici à la radio, sur Europe 1, que c'est un énorme bosseur et un très grand connaisseur de la télévision. Oui, et je dois avouer, j'en ai dit du mal. J'en ai dit quelquefois beaucoup de mal. Vous avez écrit, par exemple, je ne me souviens pas, je suis un peu amnésique. Merci, à demain. À demain, c'était Jean-Marc Morandini. Allez, bonjour. Ça va ? Bah ouais, ça fait un petit moment, hein. Il a pas perdu les bonnes habitudes, en Non. Il s'arrête là, c'est sa pause, hein. Ça va bien ? Ouais, très bien. Vous aussi ? Très bien. Allez, viens, Phébus, va. Allez, va. Allez, Phébus. Allez. T'as passé à la télé, hein ? Ouais. Allez, au revoir. Au revoir, merci. C'est ces gens-là qui font votre succès ou votre échec. C'est grâce aux gens qu'on croise dans la rue qu'on est ce qu'on est. Donc la moindre des choses, c'est de leur faire un sourire, de leur répondre à leur bonjour. Et s'ils ont envie de signer un autographe, de leur signer un autographe. Moi, je crois que c'est un devoir et je déteste toutes ces pseudo-stars. Et en général, c'est les jeunes qui débutent dans ces métiers-là, qui se la jouent, qui répondent pas aux gens qui leur disent bonjour. Je trouve que c'est un manque de respect total. Quand on fait ce métier, on a toujours envie, consciemment ou inconsciemment, d'être reconnu par le public. Donc pour moi, ça a toujours été un plaisir. Et puis les gens ont toujours été tellement gentils et tellement adorables, même dans les moments difficiles. Beaucoup de gens venaient me voir et me disaient « Ah, c'est dégueulasse ce qu'on vous fait, vous laissez pas faire, battez-vous ». Et donc ça, c'était plutôt agréable, même si ça me faisait sourire au fond, parce que comment lutter contre un déferlement médiatique, c'est impossible. Allez, viens. Jean-Marc Morandini a attendu 7 ans avant de se sentir prêt à refaire de la télévision. Aujourd'hui, il anime une quotidienne sur une chaîne de la TNT. Thomas, je vais au maquillage. Okay, à toutes. Bonjour. Bonjour. Oh, Catherine, au maquillage. Ah. Ouais, t'es trop belle. Mm-hmm. Non, je déconne. Va t'asseoir. D'accord, va t'asseoir sur le petit siège là-bas, on va rire. Bah non, je vais être à ta place. Ah, voilà. Franchement, la télé m'a pas manqué. Les gens ont du mal à le croire quand je le dis aussi simplement que ça. Mais non, ça m'a pas manqué. C'était une période différente. C'était une période de reconstruction.
et une période où j'avais pas besoin de télé pour m'épanouir. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai pas plus besoin, finalement. J'en fais parce que là, c'est juste un plaisir. Parce que j'ai une chance fabuleuse, c'est de bosser sur la TNT. Et sur une chaîne, en plus, qui n'est pas soumise aux médiamétries, qui n'est pas soumise à l'audience. Donc, je ne suis pas sûr que j'accepterais d'aller sur une chaîne hertzienne aujourd'hui. Voilà. Vraiment, je ne suis pas convaincu du tout. Bonsoir et très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct jusqu'à 20h avec toute l'actualité de la télévision, toute l'actualité des médias, de la presse écrite et de la radio. Le premier thème de ce soir, c'est ce scandale à la télévision italienne. Merci à tous. On se retrouve demain en direct, 19h, 20h. À demain. Mais vraiment bravo, c'est une émission extrêmement complète sur... C'est ce qu'on est censé faire, un vrai tour d'horizon. Et mais, avec mais des moi, je n'en reviens pas, elle est très très riche, hein, elle a une allure, chapeau. Hein. Je m'étais dit plus jamais, et je l'avais dit clairement, je m'étais dit plus jamais, je vais revenir à la télé, c'est fini. Voilà, c'est pas pour moi. Mais c'est vrai que je ne pensais pas à un moment pouvoir faire une émission où j'aurais totalement carte blanche et où je pourrais être le patron de mon émission. Et là, c'est le cas, et ça se voit, je crois, ça se sent dans la façon dont l'émission est gérée. Voilà, je suis chez moi. Voilà. Vous connaissez cette émission ? Vous souvenez, tout est possible ? Bernard, vous étiez déjà à la télé à cette époque, à l'époque, oui, de Tout est possible. Vous en gardez un souvenir aussi trash qu'on le dit aujourd'hui ? Non, pas du tout, parce que moi j'étais dans la même lignée, dirais-je. J'étais à TF1 à l'époque. Pardonnez ma voix, elle est un peu cassée. Ouais. Oui. C'est sexy. C'est... Merci beaucoup. Je vous en prie, Bernard. C'est pas ma préférence sexuelle, mais vous êtes sexy. Merci. Je vous en prie, oui. Et vous portiez quel regard alors sur ce boulot ? Non, moi je regardais l'émission parce que je la trouvais intéressante, quoi qu'il en soit. Faut pas être faux cul maintenant. Elle a très bien marché. Si elle a marché, c'est qu'elle a intéressé un grand nombre de publics, un grand nombre de gens. Ça répondait à une demande. Donc bon, maintenant, le look, on rigole parce que t'as vu la tronche que t'avais. Bon. J'ai vu. Et tes vestes de couleur, hein, on dirait. Mais tout ça, c'était du formatage en fait. Ce qui est important, c'est que c'était du marketing. C'est-à-dire qu'on me disait qu'il fallait mettre des vestes de couleur. On avait décidé de faire un décor très coloré, un peu comme au cirque, alors qu'on traitait des sujets très graves. C'est ça. Ouais. C'est assez terrible. En fait, mais tout ça c'était du marketing, c'était calculé, c'était étudié. Il et fallait vous, rentrer et vous dans subissiez un... tout ça, Jean-Marc. Oui, j'ai du mal à je croire suis... avec votre caractère que vous rebelliez pas. Franchement, je m'écrasais à ce moment-là. Ouais. Je m'écrasais, je me disais encore une fois, ils ont raison, c'est eux qui savent. C'est voilà. le chèque. Le chèque et puis l'audience, non, aussi, non, c'est le chèque. Attendez, le chèque, c'est quand même intéressant de savoir que les 5 premières émissions, je touchais 5000 francs. Ah, 5000 francs. Tu t'es fait avoir. Ah, bah, ça, j'ai compris après. 750 euros par émission. Et ensuite Ensuite, à la fin, je suis monté à 50 000 francs, donc ça fait 8 ou 9 000 euros. Mais voilà, mais c'était ça le maximum. Mais pendant 2 ou 3 ans, au maximum, on payait 3 000, 4 000 euros par émission. Quelle différence vous faisiez entre la perception du public et celle de la critique ? Pendant longtemps, je me suis dit, le public a raison. Et le public a toujours raison. Et comme le disait Bernard, et aujourd'hui, je suis plus d'accord avec Bernard. Quand Bernard dit c'est le public qui regardait, donc le public a raison, je pense pas, moi. Moi, je pense pas que c'est pas parce qu'un public regarde en nombre, il peut regarder des merdes, le public. D'accord. Franchement, même bien si sûr. Ça choque de le dire, mais il y a des émissions qui sont des émissions vraiment mauvaises, que moi je trouve mauvaises, ouais. Et que le public regarde. Je pense à L'île de la Tentation, par exemple. Ah voilà. Non, mais c'est vrai, je suis désolé. Laisse-toi. Non, mais. Voilà. Merci. C'est vrai, je suis désolé. Voilà, moi je trouve que c'est pas de bonnes émissions. Voilà, j'ai rien contre du tout. Mais pourtant c'était un très très grand succès. Oui, voilà. Avec quelque chose d'assez magnétique, etc. On verra que vous avez mis du temps, vous, à dire oui et à accepter de participer à cette émission. On verra aussi dans quelles conditions vous en êtes sorti extrêmement rapidement. Je crois c'est ça, eux en sont sortis, ils s'en sont aperçus. Ah oui, c'est le record le plus rapide, je crois, de sortie d'un programme de télé-réalité, du fait des candidats en tout cas. Jean-Marc et le Guignol qui ont beaucoup changé pour vous, beaucoup de choses, puisque là la perception du public a commencé à changer. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait il y a les critiques de la presse qui concernent surtout un petit groupe de personnes, et puis il y a celle des Guignols de l'info qui commence à toucher des millions de spectateurs. Et là, il y a une confusion entre ce que vous étiez dans la vraie vie et ce que vous étiez dans votre théâtre des Guignols. Comment vous ressentiez ça ? Ah bah c'est vrai qu'au début, quand on a sa marionnette aux Guignols, pour être très honnête, j'étais super content. Voilà, je me suis dit, ah bah tiens, j'existe médiatiquement, je suis quelqu'un qui compte, entre guillemets, puisque j'ai ma marionnette au Guignol. Et puis au bout d'un mois, au bout de deux mois, en plus, j'étais vraiment la cible, c'est-à-dire que j'y étais tous les soirs au Guignol. Tous les soirs, j'étais présenté comme un abruti, sans cerveau, manipulé par de grands manitous de la chaîne. Et au bout d'un moment, les gens dans la rue confondaient ce que j'étais et cette image des Guignols.
et sans se le prendre dans la figure. Et ça, c'est très dur parce qu'on ne s'en sort pas de ça. Il n'y a pas de moyen de s'en sortir. J'avais même réfléchi à une époque en me disant, est-ce qu'il faut attaquer en justice les Guignols parce qu'ils vont trop loin ? François Sagan l'a fait une époque. Pour diffamation, voilà. Mmh. Mais c'est super dur. Elle a perdu d'ailleurs. Voilà, parce qu'on considère que c'est de l'humour. Et ils ont droit à la critique. Et ils ont tous les droits à la caricature. Exactement. Mmh. Et alors, comment vous êtes expliqué vis-à-vis de vos plus proches, par exemple vos parents ? Moi, ce qui me gênait surtout, c'était vis-à-vis de mes parents, qui, quand ils étaient dans la rue, on leur disait « Ah, bah, c'est vous êtes les parents de celui qu'on voit. » De cette pauvre chose. Voilà. Et c'est super dur pour eux, parce que moi, je suis capable d'assumer ce que je fais, je me le prends dans la figure, et bah, tant pis pour moi, quoi. J'avais qu'à pas faire le con. Même à 27-28 ans ? Ouais, j'avais qu'à me révolter, j'avais qu'à dire non. Je sais le dire aujourd'hui, je savais pas à l'époque, c'est ma faute aussi. Voilà, je ne veux pas dire, oh là là, ils m'ont manipulé. Vous avez réussi à les protéger, vos parents ? Je suis une victime. Non, c'est impossible à protéger. Qui a eu sa marionnette dans les Guignols ici ? À part moi. Moi. Alors, ce qui était drôle, c'est que nous, c'était avec, à l'époque avec Deban, le duo de Vidéogag. Et c'était très drôle parce que c'était deux pieds, même pas nos têtes. Et ça, j'ai adoré. Mais c'était la tête, Bernard. Non. Deban m'appelle, il me dit « Bernard, regarde la honte, ils nous ont même pas fait la tête, ils ont fait deux pieds. » Moi, j'ai trouvé ça génial, génial. Non, il faut l'accepter, on est obligé, de toute façon, bien c'était sûr. Très drôle. On va parler d'une interview qui vous a réuni d'ici quelques instants, mais c'est vrai que Bernard est un homme particulier. Vous, Jacques, aussi, vous avez eu votre marionnette dans les Guignols ? Mais oui, absolument, ouais. Et je crois que j'étais même en concurrence avec Jean-Marc pour la présence quotidienne. Alors, j'ai regardé au début... Parce que j'étais le premier à être un téléspectateur des Guignols. C'est beaucoup moins drôle quand ça vous concerne, ça c'est oui, ça sûr c'est au clair. Début. J'ai arrêté de regarder un moment, mais j'avais des enfants. Et des enfants qui allaient à l'école, donc qui étaient assez jeunes, qui avaient 10, 12 ans, et qui me disaient oh, « qu'est-ce qu'ils t'ont mis hier soir ?» Tout le monde en parlait à l'école, donc c'était un peu gênant. Mais en même temps, si vous voulez, bon, il y a des règles de la caricature, et je les ai acceptées. On a eu, nous, à part les Guignols, les Inconnus, qui ont fait un sketch, qui a un sketch d'anthologie que j'adore et que je me repasse de temps en temps, simplement pour le plaisir. Que ça s'appelait Perdu de recherche, c'était une vraie réussite. Donc si vous voulez, mais non, tout le monde s'en souvient. Ouais, et moi je trouve que, si vous voulez, le vrai problème, et ça on en parlera peut-être plus tard, c'est quand cette critique ou cette caricature, la caricature elle est faite pour grossir, la preuve, mais elle est faite pour justement faire de vous quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais qu'est-ce qui fait mal dans la critique ? Pardon ? Qu'est-ce qui fait mal dans la critique ? C'est quand ça dérape de l'avis qu'on peut avoir sur un travail, parce que c'est de toute façon un travail, même s'il ne plaît pas à un certain nombre de gens. Quand ça dérape sur votre vie personnelle, quand on commence à s'amuser de vous à cause de votre aspect physique, et aussi, comme le disait Jean-Marc, quand on commence à vous présenter comme une sorte d'abruti à qui on a oublié de greffer un cerveau. On attaque non plus ce que vous faites, mais ce que vous êtes. Voilà. Et là, ça touche vraiment très profondément. Personne ne peut résister à ça. Après 4 ans d'antenne, Jean-Marc, vous avez arrêté Tout est possible. Vous étiez dans quel état ? Le docteur s'approche de vous. Oui. Non, j'avais grossi parce que je mangeais, je faisais de la boulimie. J'avais le moral à zéro, franchement, parce que je voyais pas d'issue, surtout. Voilà. Je voyais pas, pour être très concret, je crois que je ne voyais pas ce qu'allait être ma vie derrière. Et vous n'en aviez pas 30 ans encore. Et j'avais pas 30 ans. Et je voulais redevenir journaliste. D'ailleurs, le jour de mon départ de TF1, le seul jour où j'ai vu Étienne Moujotte, d'ailleurs, puisque je ne l'avais jamais vu en 4 ans, le seul jour où je l'ai vu dans son bureau, je lui ai dit un truc très naïf. Je lui ai dit, je voudrais bien revenir à la rédaction de TF1 et refaire ce que je faisais avant, c'est-à-dire faire des reportages, repartir à zéro. Il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est pas possible. C'est impossible. Tu as vu l'image que tu as vu ce qu'on pense de toi, tu as été un paratonnerre. Toute la haine de la presse s'est déversée sur toi. Donc maintenant, je pense que le mieux, c'est que tu partes. Il a eu la sincérité de vous dire ça, au moins ? Oui. Ce qui est un peu... C'est très dur, parce que c'est très cru. Mais c'est vrai. Et comment rebondir ensuite, après quelque chose comme ça ? Vous avez été traumatisé, vous avez dit la télé, plus jamais ? Je me suis dit la télé, plus jamais, et je me suis dit même le journalisme, plus jamais. Mais alors, vous allez faire quoi ? Parce que je voulais partir à l'étranger, je voulais partir à Miami, je voulais monter un resto, changer de vie. Mais vous avez vraiment approché ce projet ? Vraiment approché ce projet, je voulais recommencer à zéro, puisque plus personne ne voulait de moi dans le métier. C'est-à-dire plus aucun journaliste, plus aucun responsable ne m'appelait, ne me téléphonait ou ne me rappelait quand moi j'essayais de trouver du boulot. Vous étiez devenu subitement ringard après avoir été super successful ? Ouais, bah je crois que c'est la règle de toute façon. C'est la règle en France, hein, on aime et puis on brûle ensuite ce qu'on a aimé. Et on a tellement aimé qu'on brûle encore plus fort. Puis, finalement, c'est pas tellement dur d'être ringard. Enfin, je veux dire, c'est tellement subjectif que... C'est toujours surprenant, Daniel, oui. Oui, moi, je suis surprenante. Mais c'est peut-être pour ça que vous m'avez invité aussi. C'est vrai. Hein? Oui. C'est pas très dur d'être ringard, c'est-à-dire ? Non, bah, c'est-à-dire que quand vous avez, l'intelligentsia, entre guillemets, contre ou vous. Le microcosme
contre vous, le microcosme parisien qui décide que vous êtes has-been, que vous êtes ringard, que vous êtes ce qu'il y a de mieux, etc. Ça n'a pas tellement d'importance. Hein. C'est un tout et c'est de savoir si on est en accord avec soi-même. Et moi, je trouve que Jean-Marc a vraiment très bien parlé, très bien analysé tout ce qui lui est arrivé. Et elle tient bien son boulot de chroniqueuse, Danielle. Ouais. Comment ? Vous tenez très bien votre boulot de chroniqueuse, Danielle. Mais gardez-en pour la fin aussi. Hein. Ah bon, vous voulez plus que je parle ? Ah si, vous pouvez intervenir. Vous savez que je suis très bavarde, c'est oui, tout c'est ce que ça. Je sais faire. Ne donnez pas tout de suite, quoi. Gardez le dessert pour la fin. Non, mais c'est parce que Jean-Marc, je trouve qu'il a vécu des choses difficiles parce que l'émission n'était pas ce qu'il y avait mais de mieux. Oui, non, mais surtout, il a vraiment... Il a rebondi d'une morflé, façon... Morflé, je trouve pas d'autre mot, pendant des années. Et il a très bien rebondi, je trouve qu'il faut... Oui, alors aujourd'hui, à la radio, le boulot de Jean-Marc, c'est non pas de dire ce qui est bien et pas bien, même si parfois, vous avez quand même cette tentation, un avis en tout cas. Et c'est en tout cas approcher tout ce qui se fait à la télévision, donner ce qui se passe dans les coulisses. Alors, au regard de tout ce que vous avez pris dans la figure, comment vous appréhendez le système de la critique aujourd'hui ? Je crois, en tout cas moi la règle que je me suis fixée en tout cas c'est de ne jamais attaquer les personnes. Voilà. J'ai trop souffert qu'on attaque non pas l'émission mais moi, qu'on me fasse passer pour un con, puisque c'est ce qu'avait écrit Libération, avait écrit ce mec est un con, textuellement, donc en vertu de quoi ? J'ai dû avoir ça moi aussi, hein, Jean-Marc. Oui mais c'est des journalistes qu'on n'a jamais rencontrés, ah oui. Qu'on n'a jamais vus. Voilà. Et moi ce mec là j'avais essayé de l'appeler par exemple derrière, il n'a jamais voulu me prendre en ligne, donc c'est facile derrière son clavier d'écrire ce mec est un con, voilà. Moi je critique les émissions parfois et je pense que la télé c'est quelque chose qui n'est pas très grave, honnêtement, on peut dire qu'une émission était bien, qu'une émission était nulle, voilà, il n'y a pas d'impact là-dessus. Maintenant dire qu'un animateur est mauvais ou dire qu'un animateur est nul c'est un autre discours. C'est-à-dire essayer de ne pas blesser ceux que vous égratignez, c'est ça ? Exactement. Vous êtes en quelque sorte fait une sorte de virginité en termes d'image, comme on dit. Donc aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de très coté, avec un très grand potentiel. Si on vous proposait une grande émission, vous pensez que vous refuseriez ? Ça dépend où, ça dépend... Si... Moi, sur TF1, vous refuseriez, par exemple ? Ah, je crois. Je crois parce qu'il faut faire 30% de part de marché. Je sais comment on fait 30% de part de marché, on fait un peu de cul, un peu de violence, un peu d'engueulade. On peut faire 35 d'ailleurs. Voilà, on peut faire 35. Ouais. C'est facile et je n'ai pas envie de retomber là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sur le câble, en plus sur une chaîne qui n'est même pas abonnée à Médiamétrie, parce que c'est beaucoup plus simple, on fait juste une émission en se demandant si elle est bien. Voilà. La TNT est gratuite, hein, ce n'est pas seulement le câble. Je veux dire, demain c'est TNT, une télévision sûr, que tout le monde reçoit. Je pose des questions maintenant à Bernard Montiel qui a présenté Une famille en or, surprise, surprise, et bien sûr, Vidéogag pendant combien de temps ? 13 ans. Et puis des tas d'autres émissions comme celle-là. Oui. Vous êtes, depuis votre départ de TF1, tout le monde se demande un petit peu ce que vous êtes devenu. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez rassurer les spectateurs ? Et vous d'abord ? Ah ben, moi, ça va. Moi, je suis sur Télé Monte Carlo, qui est numéro 1 de la TNT. Hein, Jean-Marc ? Bah oui, pour nous, on n'a pas Médiamétrie, c'est normal. Bah, tu peux pas, il n'y a pas d'auditeur, il n'y a pas de téléspectateur. Donc, numéro 1 de la TNT. Et je fais des rencontres, on couvre des événements, etc. Et TMC est une chaîne formidable, légendaire, 50 ans d'existence. Et vous sentez bien ? Très, très bien, vraiment. Quelque chose qui est moins regardé, moins exposé ? Oh, ça m'est égal, on m'emmerde moins. Ah oui. C'est comme ça que vous voyez les choses ? Oui, parce que si vous voulez, à une époque, quand on a été à fin, on est très exposé, on est mal jugé, forcément. Mais d'ailleurs, je rappelle que TMC appartient à TF1 maintenant. Ironie du sort, quand même. Hein. Ils ne sont pas rancuniers. Ils n'ont pas à l'être. Ils ne sont pas rancuniers. Parce que vous faites allusion en fait, à cette interview qui a été donnée à Jean-Marc Morandini en 2003. Donc à l'époque, vous présentiez Vidéogag. Vous donniez l'impression d'un garçon plutôt heureux. Et puis vous dites ce jour-là tout le mal que vous pensez de la télé, de certains animateurs, de certaines émissions. Alors, inclus la vôtre. Qui n'est pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mais il y en avait d'autres voilà, qui sont nos collègues et qui étaient dedans et qui ont mangé. Vous avez été viré pour ça. On vous a accusé d'avoir craché dans la soupe en quelque sorte. Alors, tout le monde connaît votre franc-parler, Bernard, mais quelle mouche vous a piqué ce jour-là ? C'est-à-dire que quand on n'est plus heureux, malgré le chèque, comme j'ai évoqué tout à l'heure, où je crois que ça n'a plus aucun intérêt, j'étais pas heureux du tout, donc d'aller tourner, ça m'emmerdait, il n'y avait plus de public, enfin, les gags, c'était répétitif. D'ailleurs, l'émission vient d'être supprimée très récemment, et je regrette pour Olivia, hein, pas pour l'autre, mais pour Olivia. Allez, bon. Ah ben, ouais, c'est bien, j'en ai rien à foutre. Voilà, ben donc. Joyeux Noël. Oui. Non. C'était quoi ? C'était un suicide télévisuel ? C'était pour arrêter avec ce métier-là ? J'étais obligé de me forcer. Plus en accord avec vous ? Oui, je suis obligé de me forcer. Je n'étais pas heureux. Vous savez, quand vous levez tous les matins, qu'on n'est pas bien, qu'on se dit qu'on va faire un truc qu'on n'aime pas, et en plus qui est mal jugé, alors qu'il n'y a aucune prétention dans cette émission. Simplement des gags. Je ne critiquais pas l'émission. C'est une émission à l'escalbeau. Mais c'était à ce point insupportable, parce que c'est un divertissement qui est tout à fait regardable. Enfin, attends, au bout de 13 ans...
fallait changer, mais c'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas eu le courage. Donc c'est vrai qu'à un moment, chez Jean-Marc, avait posé de bonnes questions pour une fois. Donc j'ai répondu comme il se doit. J'étais très honnête avec lui. Et je ne regrette pas du tout, hein, mais j'aime toujours TF1, je tiens à le dire. Et ça, ça peut paraître curieux. C'est son employeur, c'est normal. Non, avant même. Parce que quand j'ai quitté TF1, j'ai eu du pot d'être engagé tout de suite sur TMC et d'y rester et d'être soutenu par Étienne Moujotte, ce qui m'a fait plaisir. Vous vous souvenez de ce jour où Bernard Montiel s'est fait harakiri, en tout cas pour la profession? Bien sûr. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous vous êtes dit, je tiens un super scoop à mon micro? Ah, ou... Non, mais je me suis dit, tiens, je pensais que c'était un mec super lisse et que j'allais m'emmerder pendant une heure. Mmh. C'était un mec sans caractère. Et finalement, ben voilà, c'est un mec qui en a et qui ose dire la vérité. Et vous vous êtes dit que là, il allait se faire virer? Vous êtes dit qu'il allait se faire virer? Non, pas du tout. Non, à aucun moment, j'ai pensé qu'il pouvait se faire virer pour ça. Vous n'avez pas dit, faites attention ou des choses comme ça là? Pendant la pub, je lui ai dit, tu parles franchement, tu y vas. Voilà. Ouais, il m'a dit ça, ouais. Et il m'a dit, mais c'est pas grave, je m'en fous, quelque grave. Chose comme ça. Ouais. Je suis parti à Marrakech. Juste après? Et qu'est-ce qui vous motivait ce jour-là? Vous aviez prévu de dire tout ça? Non, sincèrement, non. C'est sorti d'un coup. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, il pose les bonnes questions, allez hop, on y va, et ben je m'en fous, je les emmerde. Et ça déroule, et Arthur, et tout le monde et... Oui. Il n'y a pas qu'Arthur. Hein. Non. Vous voulez recommencer? Non. Pas d'extrait. Non, pas d'extrait, c'est le passé. On vous a proposé d'autres émissions après Vidéo Gag? Certainement pas. Vous avez l'impression d'avoir été grillé dans la profession d'un coup d'un seul? Non, c'est-à-dire... Après le rebond sur TMC? Non, c'est-à-dire que les gens ont pensé que j'étais mort définitivement. Il s'est dit, celui-là, il se relèvera jamais. Mais comme je suis têtu, comme une mule, j'ai écrit d'abord un livre où j'ai raconté. C'est expliqué un peu, c'est pas du tout... J'ai expliqué, ça s'appelait Télévérité, je crois. C'est ça, je te confirme. Le titre de votre livre? Oui. Ah oui. Non, télé-réalité. Ah bon? C'est le tien. Bernard, vous vous souvenez plus du titre de votre livre? Non. Je me rappelle à peine. Ça, c'est le problème, Bernard, quand on n'écrit pas ses livres. Vous l'avez écrit? Vous l'avez écrit, ce livre? Tout seul? Je l'ai écrit tout seul. Le seul problème que j'ai eu, c'était les chapitres. Parce qu'il fallait faire des chapitres, et ça m'emmerdait. J'avais écrit une tonne. Non, forcément, quand on me connaît, c'est mon phrasé. Honnêtement. Donc j'ai tout raconté, ça m'a fait du bien. TMC m'a engagé à ce moment-là et c'est moi qui ai produit des émissions parce que quand personne vous veut, c'est à vous de produire vos propres émissions. Et là, j'ai fait une émission de voyage qui a été très remarquée, très aimée. Ça s'appelait 48 heures avec, où je partais avec une star à la découverte d'une capitale. Ça a été largement repris sur d'autres chaînes. Mmh. C'est quand même un milieu d'enfoirés où on te pique les idées. Et voilà. On n'est jamais déçu avec Bernard. Hein, ça, c'est... Donc voilà, mais c'est pas grave. S'ils le font mieux que moi, c'est bien. Mais là, c'est pas le cas. Donc, j'ai fait cette émission. Et puis du coup, je suis redevenu en sympathie. Et entre-temps, vous vous êtes dit à un moment, j'ai été trop loin. J'ai été malheureux. Pas la langue de bois, justement. La gueule de bois, je voulais dire. Ouais, j'ai été malheureux, sincèrement. J'étais malheureux parce que d'abord, j'aime pas faire du mal à qui que ce soit. C'est à moi que j'ai fait du mal. C'était très... Quelles ont été les réactions des uns et des autres? Des animateurs touchés ou... Mmh, oui, déjà. Eh ben, ils ont survécu, malheureusement, mais... Mais ils vous ont appelé? Non, j'en ai croisé, je les ai tous croisés depuis, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Vous êtes expliqué avec eux? Mais sincèrement, je ne voulais pas leur faire de mal, c'est moi qui ai dit des choses d'ailleurs assez évidentes. Et je peux vous dire que dans le métier, nombreux sont ceux qui m'ont appelé en me disant « T'as bien fait de dire ce que tout le monde pense tout bas, et toi tu l'as dit tout haut. » Oh, je ne suis pas tout à fait d'accord, moi. On m'a dit ça. Oui, non, je suis certain que certains vous ont dit ça, quoi. Mais je trouvais que sur Arthur, par exemple, qui est un garçon, qui est un très bon animateur de divertissement... C'est vrai. J'ai vous pas dit qu'il était mauvais. Non, vous disiez sans prompteur, il ne peut pas se démerder, etc. C'est... Non, j'ai dit qu'il ne savait pas lire un prompteur, comme moi. Ah, pas savoir lire un prompteur, ça, c'est pas grave. C'est pas ça qui est le plus important. Pas méchant. Cas. Cette gueule de bois, cette période-là, elle a duré combien de temps? Comment vous l'avez traversée? Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour retrouver confiance en vous? Non, ça a été très dur. Mais justement, c'est ça le problème, la confiance en soi. Elle est tombée d'un coup? Oui. Je me disais, bon, je ne vaux plus rien, sûrement. Ils ont peut-être raison, en fait. J'étais bon qu'à présenter Vidéo Gag, c'est-à-dire à lire un prompteur. C'est de moi dont je parlais, en fait, dans cette interview. C'est moi que j'assassinais tout seul. Et je me suis dit, bon, je vais arrêter. Moi aussi, je pensais un restaurant, enfin, pas avec toi, mais... Non, s'il te plaît, non. Pas Miami. Non. Et vraiment, je pensais faire autre chose. Et il se trouve que j'aime rencontrer des gens, j'aime parler avec eux. Vous avez traversé un moment de solitude, où vous êtes retrouvé face à vous-même. Oui. Ça a duré longtemps? Oui. Oui. Oui, sincèrement, oui. Oui, très longtemps. Non, mais c'est très difficile parce que quand vous devez affronter ces machines qui sont énormes, vous êtes livré à vous-même. Alors, on vous fait faire de l'audience, point final, et après, on vous jette. C'est là, je ne critique pas, c'est la logique du marché. Je l'ai utilisé longtemps parce que moi, j'ai beaucoup joué avec le système aussi et je continue à jouer avec. Oui.
Mais quand le marché vous a zappé, il y a eu un moment où vous vous êtes dit quoi précisément? Ah, je me suis dit que je suis obligé d'arrêter, là, plus personne ne me veut. J'ai appelé tout le monde. Ah oui, bon, moi j'ai pas peur, hein. Direct. Et c'est du genre. Ouais. Bon, écoutez, on se connaît très bien, dites-lui qu'il faut qu'il me reçoive. Et oui, on vous rappellera, vous savez, bon, c'est classique. Ça a été terrible. Et là, je me suis dit, merde, quand même, j'ai tué personne, quoi. J'ai dit quelques petites choses, c'est vrai. En plus, j'ai vu d'autres chaînes par la suite, forcément. Et là, il y a eu une espèce de pression contre moi. Et quoi que je présente, quoi que je propose, ça a été tout. Et comment ça se fait, ça? Parce qu'il nous arrive à tous de dire des choses qu'on ne pense pas, et puis de les regretter ensuite. Et comment ça se fait que ça vous ait coûté aussi cher, ce que vous avez dit? Oh, parce que je suis une cible facile. Je suis pas non plus une... J'étais pas un animateur super vedette. Moi, j'étais un de ces animateurs qu'on met là. Alors, j'ai fait la famille en or, j'ai fait la Une est à vous le samedi après-midi, j'ai fait Surprise, Surprise, j'ai fait Vidéo Gag, espèce d'animateur un peu interchangeable. Le concept ne dépendait pas de moi. Je le sais, donc je n'ai aucune prétention là-dessus. Donc, c'est facile. Mon tiel, on s'en fout. Il y en a plein d'autres qui arrivent, qui sont très bien, d'ailleurs, hein. C'est pour ça que ça a été plus difficile pour moi. Mais ce que n'ont pas c'est d'autres, et ce que je suis en train de vendre en ce moment, c'est justement ma connaissance, mon passé, mon carnet d'adresses. Et ça, je veux l'utiliser maintenant. Ouais, et puis l'amour que les artistes vous portent aussi, parce qu'on vous voit tout le temps dans les magazines, dans de très bonnes situations, n'est-ce pas? Alors, certains vous demandent si vous avez un bon attaché de presse, ou comment vous faites. C'est vrai qu'on me demande ça, oui. Ouais. Non, je suis tout seul. Et puis, je tiens à rappeler que si on me met souvent dans les magazines, ce n'est pas de ma faute. Ce sont les rédacteurs en chef des magazines qui choisissent les photos qu'ils me mettent dedans. Ce n'est pas moi qui demande à y être. Donc, mais je suis touché par ça, parce que moi, j'ai eu peur d'être oublié ou d'être... on parlait de Ringard, disait tout à l'heure. On s'est dit, bon, Montiel, c'est fini. C'est pour ça que j'ai eu du mal à raccrocher. Si vous voulez, je ne me sentais plus dans le mouvement. Après, j'appelais plus personne, quoi. Je me sentais en dehors du système. J'ai l'impression que Jean-Marc a toujours été un peu un alien par rapport quand même à l'ensemble du métier. C'est-à-dire que vous avez toujours été distancié par rapport à ce que vous faites. Bernard, vous avez toujours pris beaucoup de distance et de recul. Et je pense qu'on a du mal à supporter les gens qui ne sont pas tout à fait partie prenante de ce qu'ils font à 100%. C'est vrai. On ne peut pas être jugé parti, comme on dit. C'est peut-être ça qu'on vous a reproché aussi. C'est vrai. Je vais donner la parole maintenant à Émilie et François David. Vous restez là, évidemment, Bernard, et vous l'ouvrez quand vous voulez. Où est-ce que vous êtes, Émilie et François David? Oh, vous êtes là, comme ils sont mignons tous les deux. Bonjour à tous les deux. Vous êtes les deux derniers finalistes de la dernière saison de Koh-Lanta, donc de l'été dernier. Bonjour. Vous êtes tombés amoureux là-bas, tous les deux, en Nouvelle-Calédonie. Vous ne vous connaissiez pas avant. On n'est pas tombé amoureux là-bas. Vous êtes tombé amoureux où? Après. Après? Ah, moi je croyais que c'était... Non, on s'est rencontrés là-bas en fait. Et on est tombé amoureux après, une fois qu'on était vraiment séparés. Ah, j'ai l'impression que pendant, il y avait quand même quelque chose qui était en train de se nouer. Non, c'était une amitié, on était amis quoi. Sans aucune arrière-pensée? Sans aucune arrière-pensée. Et qu'est-ce qui s'est passé au retour à Paris? Ben en fait, on s'est vraiment manqué parce qu'on était vraiment pendant 42 jours... à la fois ensemble et à la fois opposés. Ouais, même si on n'a jamais vraiment été opposés, on jouait un jeu plutôt ensemble. Uh-huh. Et le fait d'être séparés, ben, on s'est rendu compte que, ouais, on avait des sentiments l'un pour l'autre. Belle histoire, ça, en tout cas. C'est, ouais. C'est rare que la télé fabrique des couples pour de vrai. Mais bon, on n'était pas venu là-bas pour faire ça, quoi. Vous avez été surpris des retombées médiatiques à votre retour en France? C'est étonnant. Ah oui? C'est vrai qu'entre l'émission et la diffusion de l'émission, il y a 6 mois qui se passent, quand même. Ah oui. Donc si vous voulez, d'un coup, vous passez à la télé, 2 premières émissions, on ne vous connaît pas. On vous regarde bizarrement. Et puis d'un coup, vous allez faire les courses et puis... Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez acheter une bouteille d'eau, vous partez au bout de 3 heures, quoi. Non, en fait, le truc, c'est que je pense ce qui a fait ce succès ponctuel, c'est qu'on est dans le quotidien des gens pendant ce mois et demi de Koh-Lanta. L'été, ouais. Et on fait partie de leur quotidien, les gens ont l'impression de nous connaître quand ils viennent nous voir pour discuter avec nous. Ils ont vraiment... Surtout qu'ils vous connaissent, ils vous ont vu vraiment dans des situations à Koh-Lanta ou plus... Ils nous connaissent, ils connaissent... Plus nus que nus, si j'ose dire. Voilà, c'est ça, ils connaissent dans nos moments les plus difficiles, où on a été les plus naturels finalement. Et du coup, bah, ils se sentent vraiment proches de nous et ils sont très sympas avec nous, quoi. Votre amour télévisuel, en tout cas, a beaucoup intéressé la presse. Tout d'un coup, c'est devenu quelque chose de très médiatique. C'est vous qui l'avez décidé, d'une certaine manière. Racontez-nous ce qui s'est passé lors de la finale. Non, mais certains disent que notre histoire est un coup de foudre médiatique ou je ne sais quoi. Ouais, bidon même, j'ai lu. Hein. Bidon, ouais. Bah, nous, en fait, ça, on s'en fout un petit peu parce que de ce que pensent les gens par rapport à notre couple, c'est pas notre problème. Par exemple, juste en arrivant à l'émission, il y a quelqu'un qui nous a demandé qui si notre histoire était, ce jeune homme, si notre histoire était fausse. Vous avez un micro, jeune homme, s'il vous plaît. Attendez, on va ouvrir le micro. Merci. Ça y est. Merci bien. Présentez-vous, merci. Vous appelez comment, vous avez quel âge? Bonsoir, je m'appelle Mathéo, j'ai 22 ans. Oui. Donc, j'habite dans le Val d'Oise et j'ai suivi. C'est deux jeunes hommes. Oui, madame et... Ça arrive. Une jolie dame, même. Si je peux me permettre, bah, monsieur. Je les ai suivis tout l'été. Hein. Moi, je suis parti fin août en vacances, donc je les ai suivis. Merci, ça m'a fait passer des bonnes vacances. Et c'est vrai que c'était difficile à croire.
on s'est dit, bon, c'est médiatique, parce que c'est vrai que... Ouais, non, mais c'était par rapport, en fait, à la finale où on a dit qu'on était ensemble. Ça, c'était le grand direct. Il ne restait plus que vous deux, en plus, ce qui est incroyable, c'est que vous avez été en finale l'un contre l'autre. Oui. Il y avait 100 000 euros à la clé. Mm-hmm. Vous aviez décidé de les partager, de toute façon? Logique. Ou de les dépenser ensemble? Non, de les partager. Partager. C'était une victoire qu'on avait eue ensemble, de toute manière, en tant que concurrent, mais surtout en tant que partenaire dans l'aventure. Mm. Donc c'était logique. Comment vous êtes posé la question de faire votre coming out télévisuel sur votre couple? En fait, si vous voulez, on était ensemble, on ne savait pas trop comment réagir. On se disait, bon, de toute façon, on va nous voir. De toute façon, ça va se savoir. Donc on en a parlé à la production, tout simplement. En fait, ils ont décidé, pour nous, pour notre bien, d'en parler, quoi. De toute façon, ça allait se savoir. Mais de toute manière, voilà. Que pour votre bien, vous pensez? De notre bien, parce qu'on a été paparazzé, donc ce qui peut faire ça sourire. Ça a commencé comme ça. Donc on s'est dit... Si on officialise le fait qu'on est ensemble, tout ça, au moins il n'y aura plus rien à cacher, il n'y aura plus de petits fouines de tout ça, quoi. Ouais. Enfin, il y en a eu quand même. Pourtant, c'est là que tout commence, pourtant. Hein. Ouais. Mais on n'a pas cherché à se mettre ensemble de toute manière pour faire parler de nous, quoi. C'est pas notre genre. Les paparazzis, comment vous l'avez vécu? On a rigolé. Ouais. Écoutez, on était ensemble, on faisait les courses sur Grenoble tranquillement. D'un coup, on voit derrière un buisson un monsieur avec un appareil. Il y avait son petit frère avec nous qui fait: non, mais attends, il y a quelqu'un qui vous prend en photo. Nous, non, pas du tout, c'est pas pour nous, tu rigoles, attends. Et puis d'un coup, on va partir en courant. Et puis une main aux fesses, quoi. Et le lendemain, on se retrouve dans la rubrique touchage de fesses du magazine, c'était quoi? Oui, non, mais quand on est en couple, c'est quoi, peut toucher les fesses de sa copine sans forcément qu'il y ait... C'est vrai qu'il avait pas me toucher les fesses dans la rue. Mais bon, ça, c'est... C'est pas il avait pas me toucher les fesses, c'est il a pas me toucher les fesses dans la rue. Hein, ce qui a fait une jolie photo et un article sympa dans Public. Oui. Et vous l'avez vécu comment, ça? Bah, au début, on sent un petit peu... Moi, c'est non. Mais c'est marrant, en fait. Ça fait rire. Puis c'était rigolo d'être comparé dans la même page avec Will Smith et sa copine. Et, c'est marrant. Je donne la parole à Bérangère et Daniel. Les spectateurs ont eu l'occasion de vous découvrir. Et j'en faisais partie cet été. J'ai tout de suite trouvé sympathique, je vous le dis franchement. Et encore aujourd'hui, votre passage a été... Vous aussi, hein, je veux dire, franchement. Mais bon, voilà, c'est vrai que vous avez spécialement dénoté. Alors, vous aussi, d'une certaine manière aussi, je tiens à le dire. Votre passage a été d'autant plus remarqué que vous avez été le premier couple donc à vous marier devant les caméras. Oui. Et surtout au bout du monde, pour l'aspect plus romantique des choses, mais devant les caméras, pour ceux qui sont de l'autre côté du bout du monde. Comment vous avez vécu la surmédiatisation de votre mariage pour votre premier passage à la télévision, en fait? Très très bien. On l'a très bien vécu. Sauf que c'est vrai qu'au moment où on se marie là-bas, on ne s'attend pas du tout aux retombées qu'il va y avoir. On est loin d'y penser parce qu'on est tellement sur un nuage, on est tellement au-dessus, quoi, au-dessus de et tout loin, le monde. Et loin. Et loin. Et on a vraiment l'impression que rien ne peut nous arriver et qu'on est seul au monde. Donc c'est vrai qu'on est loin d'y penser. Et c'est vrai qu'une fois qu'on arrive ici, qu'on se rend compte en fait de la réaction des gens dans la rue, il y a vraiment énormément de louanges. Oui, c'est vraiment ce qu'on attendait, vous nous avez fait rêver, on a vu que vous étiez sincère, c'est passé à travers l'écran, toutes ces choses-là. Là, on se rend compte. Et c'est vrai que ça appuie un peu ce que disaient les autres tout à l'heure. C'est sympathique de se voir aimer et qu'on soit un peu les chouchous du public. Au moment de votre mariage, en fait, c'était pas un grand barnum, c'était un tout petit mariage au bout du monde, quoi. Je veux dire, vous dites que vous avez réussi à oublier les caméras à ce moment-là? Ah, mais complètement. On est tous les deux. On est tous les deux sous une chapelle. Enfin, il n'y a plus personne, quoi. Même les caméras, vous les aviez oubliées, pourtant vous connaissez bien les règles du jeu. Hein. Oui, on les oublie parce que... Bon, maintenant, il faut savoir une chose aussi, c'est que quand on est plongé dans cette émission et qu'on nous fait vivre tous ces fameux instants avec ces fameux rendez-vous avec les tentatrices, pour les tentateurs, toutes ces choses-là, on arrive vraiment à nous mettre dans une espèce de bulle. Et déjà, là, on oublie les caméras. Là, on oublie les caméras. Carrément. Donc, oui, là, on oublie même les caméras. Même en ayant vu les éditions des années précédentes. Même en ayant vu les éditions des années précédentes. On a trop de choses à vivre. Pourtant, on a plein de choses à vivre. Et pourtant, vivre, on oublie vraiment les caméras. Vous êtes tellement occupés. Ah ouais. Non, et puis, il faut dire aussi que les... Non, mais on dort peu. Hein. On dort peu. On dort 4-5 heures par nuit. On dort peu, mais il faut dire que les mecs de la prod font vraiment très, très bien leur boulot. Ils font vraiment les beaucoup. Ils sont derrière les buissons, ils sont un peu partout autour. C'était peut-être eux qui étaient derrière les buissons à Grenoble. Non, mais c'est vrai, ils sont assez discrets. Nous, on est nombreux dans cette émission. Dans le camp, avec toutes les tentatrices qui étaient 11 quand même, plus les 4 garçons, je parle pour moi, donc de son côté c'était la même chose. On est vraiment nombreux, donc on a de quoi oublier pourquoi on est venu là. Et on va regarder cette demande en mariage très romantique. Je vais vous faire raconter exactement comment ça se passe. Et Jean-Marc nous dira tout le bien qu'il pense de cette émission, comme il l'a dit un peu tout à l'heure. Donc, demande de mariage en mariage très romantique devant des millions de spectateurs. On regarde dans quelques images de votre petit bout d'aventure qui vous a mené à la grande aventure de l'amour.
L'île de la tentation est sa règle du jeu. Quatre couples mettent à l'épreuve leur fidélité. Face aux amoureux, 22 célibataires, leur mission, briser leur couple. Pour Daniel et Bérangère, le jeu tourne court. Daniel ne supporte plus cette expérience. Je pense qu'on va s'arrêter là. Basta. Faites ce qu'il y a à faire, s'il vous plaît. Ça y est, là. Je vais pas vous manquer de respect, mais faites ce qu'il y a à faire. J'ai envie de rentrer. Daniel et Bérangère quittent le jeu, mais avant de partir, ils se marient sous les caméras, une première dans cette émission. Bérangère, je mets cette bague à ton doigt, comme le signe de notre amour, pour te dire que je t'aime et que je te serai fidèle toute ma vie. De la chance, vous avez eu votre mariage qui a été filmé avec des moyens incroyables. Ça change du caméscope familial. Quand vous êtes inscrit à l'île de la tentation, on a du mal à croire que vous n'aviez pas une idée derrière la tête, vous. Et pourtant, non. Ce que j'explique souvent, c'est qu'en fait, il y a eu un travail qui a commencé bien avant. Et en fait, moi, je ne m'en rendais pas du tout compte. Mon frère s'est marié une semaine avant que je parte. Et j'étais le premier à dire, mais n'importe quoi, mais franchement... Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble, tous les deux? Presque 2 ans. Presque 2 ans, oui. Presque 2 ans. J'ai pas trop parlé, elle a parlé un peu aussi. Non. Bérangère, comment vous avez été recrutée, pour pas dire draguée, par l'équipe de la tentation? Moi, je travaillais en bijouterie dans un centre commercial et j'ai carrément été abordée par une femme qui m'a dit, voilà, je recrute pour l'île de la tentation, est-ce que vous souhaitez être tentatrice? Quand on vous dit ça, vous êtes en plein dans votre travail, mais qu'est-ce... Non. Vous a demandé si vous étiez en couple à ce moment-là? Et voilà, et donc je lui ai dit, mais non, mais puis de toute façon, je suis en couple, ça ne m'intéresse pas. Elle m'a dit, comment est votre ami? Alors je lui ai dit, voilà, il est grand, blague, 2 mètres, machin. Elle m'a dit, oh super, ça nous intéresse. Forcément. Donc c'est vrai qu'on est passé là-dessus. Et puis, quelques jours plus tard. Donc vous lui en avez parlé le soir? Comment vous non, avez... même pas, ah parce bon? Que ça m'a complètement... Même pas, ouais, les jours sont passés. Les jours sont passés, puis c'est vrai qu'elle revenait, une fois par semaine, etc. Puis elle venait vous voir sur votre lieu de travail? Vous ne lui avez pas donné votre téléphone? Rien du tout. Et puis mon patron un jour vient me voir, il me dit « faut vraiment que tu fasses quelque chose là parce que… » La bijouterie marche pas très bien en ce moment. Non, mais elle vient tout le temps, enfin voilà. Et donc j'en ai parlé à Daniel et puis bon, c'est dit mon mari. Oui, on en a parlé et moi au départ c'est rentré là, c'est sorti là. Je m'en suis pas du tout occupé. Et puis en fait un matin comme ça, je lui ai dit par curiosité « mais tiens, c'était laquelle au fait l'émission là, dont tu me parlais ?»« Ben, l'île de la tentation. » Je fais, ah bon, ben, histoire de délirer un peu, allons voir comment ça se passe au niveau des castings. Et puis le premier casting arrive, donc... C'était pour vous distraire, votre motivation, en fait, c'est ça? À moi, au départ, c'était pour, vraiment pour découvrir... On gagne pas d'argent, ce jeu? Ah non, pas grand-chose. Non. Pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas de... C'est juste un voyage au bout du monde, quoi, ce qui est déjà voilà. Pas mal. Hein. Voilà, mais c'est surtout ça qui nous a attirés. et c'est vrai qu'on remplissait ce fameux papier, là, je regarde Bérangère et je lui dis, écoute, chérie... Je le sens là, on remplit ce papier, c'est comme si on y était déjà. Je le sais, j'en suis persuadé, je le ressens. Et elle me regarde, la demoiselle me regarde et elle regarde Bérangère. Elle hoche la tête. L'air de dire bon. Faut dire oui. Voilà. Alors quand vous êtes retrouvés sur place, on va faire un petit saut dans le temps. Oui. Quand vous avez arrivé tous ces garçons, vous les avez trouvés beaux? Non, pas du tout. Ah bon? Mais c'est vrai que quand ils arrivent comme ça, ils sont tous là, ils marchent comme ça, on se dit oh là là, mais où est-ce qu'on est quoi? On est dans un. C'est un film, on se croit dans un film. Mais c'est pas possible. Ouais, pour le film quand même, parce que c'est pas très naturel quoi. Ouais. Ah, Donald Trump marchait comme ça. Oui, non mais bon, on est. On... Et vous, quand vous avez vu arriver les filles, réalité. Tout homme que vous êtes, quand vous avez arrivé ces filles. Ah non, mais moi je le reconnais, elles sont très jolies, y a pas de souci. Bon, à part qu'on a fait tout un truc sur Shanice que je trouve. C'est une amie, hein. Je l'adore, je l'aime beaucoup. Tu l'as touché ou pas? Mais... Touché, c'est-à-dire? Ben... Comme ça, là, comme il vient de faire son boule. Ah, non, même pas. Non, tu recommences, tu t'en prends une. Non, on se disait bonjour le matin, on se disait bonsoir le soir. Ah, on se faisait la bise. Très où tard. Ça, très tard. Vous avez été jalouse? Non. Là-bas, non. J'avais vraiment confiance. Là-bas, non. Il faut dire. Bah, je suis jalouse un petit peu de. Ah oui, de la vie en général. Oh, je suis jalouse de nature. Jalouse de nature. Voilà. Bon, un petit peu. Vous aviez déjà parlé de mariage ensemble? Pas vraiment. Enfin, oui et non, parce que. Vous, oui, c'est ça. Non, c'est qu'on a toujours été contre le mariage. Ah bon, bah voilà. Donc, si vous en aviez parlé, c'était pas en positif. Alors. Voilà, c'est ça. Pas c'est, vraiment. Et là, vous avez dit, je vais la demander en mariage. Voilà. La prod s'est dit, waouh, ça va nous faire un petit événement et ça non, va autoriser. En fait, je sors de l'émission. Ça va autoriser la sortie aussi du couple. Ça voilà. Va nous faire comprendre au public la sortie du couple. Je sors de l'émission, donc je sors des champs bien joué. Des champs de caméra. Et en fait, du champ des caméras. Et la grande productrice, donc Angela, lui en était.
avec Mathieu, arrive et me dit, bon, c'est vrai qu'on avait des bons contacts. Elle arrive, elle me fait, mais Daniel, qu'est-ce que tu me fais, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu t'en vas comme ça, mais pour le peu que je connais de toi, c'est que tu as réfléchi à la situation, etc. Et là, je la regarde, je lui dis, écoute, moi, personnellement, je me rends compte d'une seule chose, c'est que là, si je reste, je perds mon temps, donc il faut que je rentre à Paris. Et en l'occurrence, si j'avais l'occasion de d'épouser Bérangère sur le champ, je le ferais. Et là, donc, mais sans penser, penser qu'on en serait arrivé là. Et donc, je finis pour vous, la prod a organisé votre mariage, vous avez payé une super lune de miel. Je tiens à le préciser quand même, parce que c'est vrai qu'on a eu un très bon contact dès le départ avec la directrice de casting et Angela. Et ce n'est pas pour faire le faux cul, parce que les gens qui me connaissent savent que je ne le suis pas. Ouais. Angela a vraiment, elle a vraiment ressenti que c'était sincère. D'ailleurs, quand elle a organisé ce fameux mariage, elle m'a rappelé en me demandant « Est-ce que Daniel était toujours sur le même état d'esprit qu'hier soir ?» Bon, parce que moi, je te fais un cadeau. Si tu es vraiment sur le même état d'esprit que tu veux épouser Bérangère, tu as la possibilité de le faire. Donc, j'ai trouvé ça comme un énorme cadeau. Alors, c'est un mariage qui n'a pas de valeur officielle mm-hmm. Non. Non. C'est comme, on va dire, c'était religieux. C'est plus religieux. Et depuis ? Et depuis, on s'est marié le 16 septembre. Le 16 septembre. Applaudissements. Wow. Est-ce que ça vous fait voir cette émission que vous détestez différemment, Jean-Marc ? Non, enfin, je suis assez surpris parce que quand on les écoute, ils ont de la réflexion sur eux-mêmes, ils sont intelligents et je ne comprends pas ce qu'ils sont allés se perdre dans cette émission. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans cette galère ? Parce que vous risquez la tentation. Mais c'est ça, c'est que on ne sait même pas. On se dit, mais voilà, c'est le voyage. C'est pas la première fois qu'il y a l'île de la tentation. Vous savez comment c'est, vous savez comment c'est monté, vous savez quels sont les risques. Mais c'est le fait de vivre une expérience. On vit quelque chose qui est hors du commun et. Faites attention à l'élastique, quoi. Bah ouais, mais non. Oui, non, mais pourquoi pas. Il y a pas de. Mais en même temps, moi, je cracherai jamais dessus. Je regrette pas de l'avoir fait parce que. Et vous le conseillez à ceux qui vous posent des questions, qui ne manquent pas de vous poser des questions ? Non, je le conseille pas pour ceux qui sont trop jeunes. Je le conseille pour ceux qui ont un minimum de maturité et du vécu. Mais c'est terrible de prendre des risques pour son couple à ce moment-là. Quoi. C'est, non, c'est le mec qui est au régime et qui va passer une journée dans une pâtisserie. La vie. Écoutez, stupide. Moi, je suis pas d'accord. L'île de la tentation, elle est là. Pour moi, la vie, c'est l'île de la tentation. Sauf qu'on ne sait pas. L'île de la tentation n'est prévenue. À partir du moment où vous arrivez dans une mission, on vous dit là, il y a des tentatrices, il y a des tentateurs. Vous savez, si vous voulez y aller, c'est parce que vous l'avez voulu. À partir du moment où dans la vie, vous ne savez pas à quel moment la tentation peut arriver et peut surgir, là, ça devient la vraie île de la tentation. C'est beaucoup plus dangereux que l'île de la tentation elle-même. Non, mais pour niquer Kratos, c'est génial quand même. Attention, Bernard se réveille. J'ai demandé à Séverine Ferrer de venir nous apporter son éclairage. Viens, Séverine. Les encouragements du public. Au milieu. Comme une reine. Allez. Comme une reine que vous êtes depuis que vous êtes née quasiment. La télé-réalité, ça vous aurait intéressé d'y participer ? Peut-être ou de la présenter ? De la présenter, peut-être. Ouais, j'ai l'impression que ça vous amuse. On voit votre œil qui frise. Oui, voilà, ça m'amuse. Maintenant, si on me l'avait proposé à l'époque, je ne sais pas si je l'aurais accepté, mais. C'est pas sûr que vous auriez dit non, en tout cas. Je pense être trop pudique pour aller dans le champ d'émission. Mais sinon, ça vous aurait amusé, on l'a compris. Peut-être, ça peut être une expérience à vivre intéressante. Alors aujourd'hui, vous êtes comédienne et vous faites un tabac. Et je vous félicite pour cette nouvelle carrière parce que il a fallu vous sortir d'une situation qui n'était pas facile vis-à-vis de la télévision. Alors vous êtes ce qu'on appelle une enfant star. Vous avez commencé à animer des émissions de télévision, vous n'aviez pas encore 10 ans, à La Réunion. Comment on gère une célébrité quand on est dans une petite fille dans une petite île comme celle-là ? Ben, c'est pas facile. C'est vrai que j'étais la seule enfant à faire ce métier là-bas. Et forcément, ben, qui dit la seule, dit beaucoup de choses qui vont avec. Et notamment, jalousie. Ben, beaucoup d'envieux, beaucoup de jalousie. Et c'est vrai que ceux qui l'ont le plus, à mon avis, à mes yeux, mal vécu, ce sont mes parents. Et concrètement, et qu'est-ce qui s'est passé qui leur a fait du mal ? Ah ben, en fait, c'était quotidien. C'est-à-dire que c'était des agressions au quotidien, à l'école, beaucoup, via les autres élèves. C'était pas mal de gens qui estimaient que je gagnais énormément d'argent. Donc c'était, ce qui n'était pas le cas. On se faisait cambrioler, ce n'était pas du tout le cas, pour voir s'il y avait de l'argent à la maison. C'était des coups de fil au téléphone, en tout cas, Mais alors là, ce que je trouve incroyable, Séverine, ça c'était donc une chaîne locale, si j'ose dire, c'était La Réunion. Oui. Avec tout ce que vous avez pris dans la figure, vous partez pour la France et là vous vous inscrivez, et vous entrez sur une chaîne nationale. Vous n'aviez pas assez pris de coups ? Mais non, mais en fait je pense avoir pris ça comme une expérience douloureuse, certes à vivre, mais du coup j'étais armée béton en arrivant.
Je savais exactement que c'était ce métier-là que j'avais choisi et que de toute façon, on ne pourrait jamais me l'enlever et que j'allais le faire, quoi qu'il arrive. Mais je savais aussi, je l'abordais avec beaucoup plus de recul et de distance en me disant « tu as vécu, je pense, le pire, surtout enfant, parce que tout est évidemment décuplé, ça a été difficile à vivre de temps en temps. » Donc j'arrivais avec beaucoup de sérénité en me disant « si ça arrive, de toute façon, tu l'as déjà vécu, donc peu importe. » Ouais, mais alors puissance, puissance 1000, quoi. Bah, pas tant que ça, finalement. Moi, je l'ai vraiment mieux vécu, peut-être aussi. Hein, c'est l'expérience qui fait, la maturité qui vient aussi. Et du coup, on prend les choses différemment. Mais moi, je l'ai pas mal vécu, cette notoriété, un peu plus tard. Ce qui est arrivé aux alentours de 20 ans, à peu près? Le gros boom, c'était entre 18 et 20 ans. Ah ouais, c'est encore très jeune, non? Il faut quand même être solide pour pouvoir tenir tout ça. Vous viviez comment? Vous aviez l'impression d'en profiter? Ah, mais moi, j'ai toujours pris ça comme un jeu. Je pense que c'est aussi pour ça que je m'en sors. On a compris pourquoi Bernard, c'était... Enfin, on a compris, en tout cas, on a eu des explications au fait que Bernard soit fait virer de TF1. Pourquoi vous vous êtes fait virer d'M6, vous? Bah parce que je suis comme Bernard, c'est pas pour rien que c'est mon ami de toute façon. Et ce qu'il a dit m'a profondément touchée. Oui. Mais non, mais c'est quelqu'un que j'aime profondément parce que c'est quelqu'un qui est humain et c'est quelqu'un de vraiment entier dans ce métier. On les compte sur les doigts de la main. Et Bernard, à l'époque où ça allait pas déjà très bien avec mon employeur, j'en ai parlé et il m'a donné de très très bons conseils et je t'en remercie. Lesquels? Il m'a dit. Non, mais il m'a dit, c'est vrai, c'est quelqu'un d'entier. Moi, je le suis aussi. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai l'impression de ne pas vraiment être comprise par ce métier. Parce que j'agis au feeling, au coup de cœur. Et je ne peux pas défendre quelque chose que je n'assume pas. Mais vous pouvez me dire pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas compris pourquoi vous aviez été virée. Il est vrai qu'à un moment, il se trouve que mon employeur n'avait plus d'autres émissions que mon émission que j'animais depuis 10 ans à m'offrir, Fan 2, qui a été un énorme succès et je suis ravie de l'avoir fait. Ça restera une expérience unique dans ma vie et je suis ravie d'avoir fait mes armes dans cette émission. Vous en aviez marre? Mais à un moment, au bout de 10 ans, on tourne en rond, forcément. Ouais, surtout dans ce type d'émission où et les invités ne se renouvellent pas beaucoup. Les derniers temps, en tout cas, de cette émission, je faisais plus... Je passais à tout casser 30 secondes à l'antenne. C'est-à-dire que j'avais 3 plateaux sur 26 minutes d'émission. Et à un moment, on a d'autres envies. Moi, j'étais comédienne et c'est vrai que la télé m'a fermé énormément de portes. Et tout le monde me disait, tu verras, quand tu arrêteras la télévision, les scénarios vont revenir, etc. Et j'y croyais pas du tout. Alors, vous avez dit à M6, j'arrête l'émission. Alors, j'aurais demandé dans un premier temps si, en effet, ils avaient autre chose à me proposer. Ils n'avaient rien. Donc, à un moment, d'autres chaînes me proposaient d'autres choses. Et j'aurais dit, écoutez, bon, je vais y aller. Et contractuellement, j'en avais le droit. Donc, c'était sur mes contrats. J'étais absolument pas... c'était pas du tout illégal. Et il se trouve qu'ils ont pas voulu que j'aille sur d'autres chaînes. Donc, à un moment, dans ces cas-là, quand on n'est plus d'accord, il vaut mieux se séparer. C'est comme un bon couple, un vieux couple, quand voilà, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Ça s'est quand même terminé au tribunal, malheureusement. C'est jamais agréable. Ça s'est terminé au tribunal parce que j'avais aussi, moi, mes droits et que j'estime que ça n'a pas été fait très élégamment. À un moment, il est vrai que c'est ce que j'attendais aussi. Donc, c'est pour ça que j'en souffre pas du tout. Mais qu'est-ce que vous attendiez aussi, Séverine? Moi, je voulais arrêter cette émission, mais je n'ai pas eu le courage de le faire, comme a si bien dit Bernard, parce que quelque part, c'est aussi... quand on est bien dans quelque chose et qu'on maîtrise parfaitement quelque chose, on a peur de l'inconnu. Donc c'est vrai que j'ai pas eu, j'aurais aimé peut-être quitter l'aventure avant, mais je n'ai pas eu le courage. Donc il se trouve qu'on l'a fait pour moi et c'est ce que j'attendais aussi indirectement. Vous connaissiez les inconvénients de la célébrité, vous en connaissiez aussi les avantages. Mais il y a des avantages et beaucoup d'avantages aussi. Il y a beaucoup d'avantages. Donc ces avantages, vous aviez peut-être aussi peur de les perdre parce que vous êtes très consciente. Ouais. Et vous connaissez ce métier depuis toute petite. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez perdu comme avantage du jour au lendemain en quittant l'antenne? Forcément, alors il y a des gens qui, pas qui vous tournent le dos, mais qui... j'adorais, moi, j'arrivais dans les soirées, on me disait « Oh, t'as arrêté la télé, qu'est-ce que tu vas devenir ?» Excusez-moi, mais bon, il y a quand même une vie après la télé. J'ai une famille, je suis heureuse, je suis au théâtre, je suis complètement épanouie, enfin, je m'éclate. Voilà, c'est comme si, à partir du moment où on arrêtait la télé, tout s'arrêtait, la vie s'arrêtait. Non, mais c'est vrai que moi, par exemple, je ne suis pas comédien. Si je ne sais pas ce que je saurais faire d'autre, peut-être de la radio, peut-être un peu de publicité qui est en premier métier, mais je ne saurais pas faire autre chose. Parce que je sais que je sais faire autre chose, que je chante, que je joue la comédie, que je dessine des vêtements, etc. Et vous avez eu confiance en vous? Vous n'avez pas eu peur du vide, du lendemain? Forcément, on a, une petite baisse d'estime en se disant, bon, ben, finalement, c'était peut-être pas pour moi, bon, ben, je vais passer à autre chose et tout ça. Mais c'est vrai que le fait d'avoir touché à plein de choses en même temps, je me suis dit, de toute façon, je saurais toujours rebondir.
rire et je retomberai sur mes pattes. Il y a l'affiche derrière vous du spectacle que vous jouez sur scène. Vous enchaînez les pièces au théâtre. Je vous félicite, Séverine, parce que vous faites preuve d'une toute petite femme, assez jeune, et vous faites preuve d'une très grande maturité. Vous avez joué les monologues du vagin, me semble-t-il. Oui, je repars en tournée d'ailleurs en janvier avec les monologues. D'accord, très bien. Et à fond la caisse aujourd'hui à la Grande Comédie avec d'autres comédiens qui sont autour de vous. Sarah, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, tout ce discours sur la célébrité? Vous vous êtes tombée dedans quand vous étiez encore plus petite que Séverine? Oui, parce qu'elle avait 9 ans, vous aviez quel âge, vous? Moi, la célébrité, c'est une affaire de famille. Mmh. On est déclaré officiellement à la naissance. Moi, je pense que c'est aux yeux du monde qu'on est déclaré chez nous. Vous vous souvenez de la façon dont on vous en a parlé quand vous étiez petite? De la célébrité, ouais. Oui, tout à fait. Parce que c'était en allant à l'école vers l'âge de 4-5 ans. Déjà, le regard des autres parents sur moi. Mais c'est la petite fille de Michel Morgan, ça. Je disais, mais pourquoi ils connaissent tous ma grand-mère, je me demandais. Et puis je pensais qu'on était une famille un peu extraordinaire. Alors je disais à maman, mais pourquoi on n'est pas comme tout le monde? Elle me disait, bah, écoute, c'est parce que ta grand-mère est une star et puis on veut toujours savoir ce que deviennent les enfants, les petits-enfants. Et des stars, ça les rassure, ils sont curieux de savoir ce que devient la famille. Et c'est comme ça que je l'explique à mon fils aujourd'hui. Qui a quel âge? Il a 4 ans. Qu'est-ce qu'il en comprend de tout ça? Lui, il pense qu'il est plus qu'extraordinaire, il pense qu'il est un super-héros parce que... Ah bon? Ouais, quand on se promène dans la rue, il croit qu'il est Superman parce que tout le monde le connaît, mais alors il y a les fans de Richard Anthony et puis ceux de Michel Morgan. Donc il y a plusieurs générations. Alors, ce sont deux de ses grands-parents? Oui. Plus Gérard Houry, qui était votre grand-père par alliance, enfin si j'ose dire, voilà, donc ça fait toute une famille, tout un contexte. Daniel Thompson, Tony Marshall, Christopher Thompson ou Géraldine Pella, ou vous voulez dire fou, hein, chaque membre de la famille. Ouais. Donc forcément, il croit que tout le monde le connaît et que c'est normal. Vous le redescendez un petit peu? Non, parce vous que vous n'avez pas envie, vous trouvez ça trop mignon? Non, parce que ce que disait Daniel Gilbert tout à l'heure, c'est évident, c'est une vie sociale, extra-sociale en plus, qui est géniale, parce que moi, les gens sont gentils, ils ont une sympathie pour moi et pour Zoltan aussi, débordante. Pourtant, à un moment de votre vie, vous en avez pris pas mal dans la figure, et vous avez réussi à dépasser tout ça, et en préparant cette émission, j'ai vu que vous ne voyez que les bons côtés de la notoriété. Oui, parce que c'est une question de caractère, on peut dire aussi que la célébrité, c'est une maladie d'amour, une maladie, enfin tout ce que vous voulez, mais le succès est une chance. Et moi, j'ai cette chance du succès de l'image et de pouvoir me relever et d'être fière aujourd'hui. Peu importe, j'assume ce que j'ai fait et les conséquences. Et bon, ben, avec mon fils, on s'est reconstruit et puis voilà, tout va bien. Alors, on va regarder ce reportage qui vous concerne. La notoriété donc, que vous vivez en héritage, on va en parler. Mais aussi votre carrière de mannequin. Vous êtes l'égérie d'un grand couturier. Ça fait quelques années déjà, hein, j'ai l'impression. Mm-hmm. Vous aimez qu'on vous reconnaisse, mais parfois la célébrité est difficile à porter. C'est ça la célébrité, hein. On peut dire... Des hauts et des bas? Oui, non, mais on peut dire, comment pourrait-on lutter contre le désir irrépressible d'être reconnu et connu dans la rue? On va regarder ce reportage. Je remercie Jean-Marc qui vient nous quitter pour des raisons professionnelles. Merci de votre sincérité, comme d'hab. C'est un reportage de Corinne Biès et d'Olivier Dorin. Sarah Marshall, un physique de rêve, un nom qui fait rêver. Elle descend d'une lignée de grandes stars. C'est la petite fille de Michel Morgan, l'une des icônes du cinéma. Sarah vit sous les feux des projecteurs depuis sa tendre enfance. C'est pas mal, pour la photo ça peut être bien, si on voit qu'un œil. La notoriété de Sarah Marshall démarre à l'âge où les bébés commencent tout juste à apprendre à marcher. Le métier de mannequin m'est tombé dessus. Premier Polaroid tartiné chocolat. Tu avais quel âge? Peut-être 6 mois. Ah, mais 6 mois. Et puis ensuite, bon, j'ai fait des défilés de mode à 4 ans, 5 ans, et puis... Bon, j'ai évolué avec ça, sauf les années où j'ai perdu mes dents, entre 6 ans et 13 ans, j'ai plus été mannequin. Mais quand on goûte à la célébrité, je pense pas qu'on imagine après sa vie différemment. Je sais pas, je peux vous dire oui, de temps en temps, j'aime bien être anonyme, mais ça dure pas 2 heures. Quoi. Aujourd'hui, grâce à son nom, Sarah Marshall travaille pour un grand couturier parisien. Respire. Allez, hop! Et voilà. Oui, c'est un petit côté Don Juan au féminin qui est pas mal comme ça. Ok, très bien. Bah, tu peux aller te rhabiller, je pense. Voilà, c'est parfait. Merci Magali. La célébrité ouvre des portes, mais si on n'est pas bon dans ce qu'on fait, quel que soit son domaine, c'est sûr que ça les referme très très vite et encore plus vite parce qu'on est attendu au tournant. On doit rendre des comptes de par la famille qu'on a. On est obligé de tenir une certaine lignée et un certain rang.
Mais la célébrité a un revers. Il y a 3 ans, Sarah Marshall a été la cible de certains journalistes car sa vie privée intéressait beaucoup la presse people. Impossible pour elle d'éviter à l'époque les faux pas et surtout les paparazzis. Moi, je me souviens, à l'époque, la façon dont tu vivais, c'était vraiment difficile. En plus, bon, t'es quand même très jeune, donc ça a été difficile, même avec par rapport à ta famille. C'est vrai que c'était pas simple. Je sortais de la maison et puis je savais pas où ils étaient, mais qu'à un moment donné, sur mon chemin, ils allaient me prendre quelque part. Bien sûr. Et puis, comme je continuais tout de même à vivre, je faisais ma vie, quoi. Donc, ce qui est sorti dans les journaux, c'est sûr, j'assume aujourd'hui, mais c'était pourri. Et quand j'ai vu ça, et que j'en ai eu pleinement conscience, bon, ça m'a fait mal au cœur. Et c'est sûr, voilà. T'as pas eu un moment envie de partir, de dire bon, maintenant j'en ai assez d'être de porter comme ça cette célébrité et d'être totalement anonyme? Oh, mais je vais répondre à ta question. D'abord, j'ai pris un avion, je suis partie loin avec ma famille. Et là-bas, j'étais personne sauf un membre de ma famille, tu vois, à part entière. J'avais besoin, c'est vrai, de passer par là, d'être complètement anonyme. L'anonymat aujourd'hui n'est plus de rigueur. Zoltan, le fils de Sarah, a 4 ans. Les gens commencent à le reconnaître et à l'interpeller dans la rue. Quand on se promène comme ça sur le chemin de l'école ou en rentrant, les gens disent toujours « Ah, oh, bonjour Zoltan !» Et maman, comment ça va ?» Et lui, alors maintenant qu'il est un petit peu plus grand, il est interpellé. Il dit « Mais tu me connais, madame? Tu me connais d'où ?» Aujourd'hui, Sarah Marshall veut se lancer dans le cinéma. Mais là encore, son nom de famille ne passera pas inaperçu. À mon avis, ça va être très très difficile de passer après Michel Morgan parce qu'elle est toujours là. Et puis c'est une grande star. Hein. C'est pas une célébrité, c'est une grande star. Donc il faut assurer derrière et voilà. Mais je pense aussi faire mon expérience et légitimer ça avec le temps. De se lancer dans le cinéma, c'est pas plus dur parce que c'est la même démarche pour tout le monde. Quand on commence le cinéma, on travaille, on fait des essais, on est bon ou on n'est pas bon. On m'excusera pas d'être mauvaise. Vous avez été encouragée par votre famille dans cette voie, celle du mannequin, par exemple? Le mannequin? Ouais. Oh oui, donc il y a des sous à prendre. Oui. Sans vous prévenir des dangers de la célébrité ou des... Non, mais de toute manière, c'était comme ça. Hein. Je veux dire que j'ai été mannequin ou pas, on m'aurait de toute manière parlé... De ce que vous faites, de bien ou de mal. Voilà. Oui, c'est vrai qu'à 13 ans, quand le mannequinat m'est tombé dessus, c'était pas non plus de mon fait. J'avais pas envie d'être mannequin, je voulais être dentiste. Mais les chasseurs de tête sont venus à la sortie de l'école, comme ils vont faire toutes les sorties d'école pour trouver des mannequins. Et puis ils m'ont dit « Ah, toi, tu voudrais pas être mannequin et tout ?» Bon, alors, comme j'étais petite, mannequin, et j'aimais bien ça, parce que bon, je me souviens d'un défilé où j'étais tellement contente d'avoir défilé avec ma robe et tout. Ils m'avaient déshabillée, je voulais refaire un tour, je suis allée en culotte. Et, non, mais j'étais applaudie et tout, ça m'avait super plu. Donc je me suis dit « Oh là là !» Et puis quand on m'a dit « Bon, t'as perdu tes dents, ça s'arrête oh, !» Là, j'étais... Je me suis dit, là, pour mon ego, j'étais hyper touchée. En plus, je me trouvais mignonne sans les dents. Après, je me suis dit, je vais faire dentiste. Ouais. Comme ça, j'aurai des dents et puis je vais pouvoir être belle. Et puis, bon, ben voilà. Ils sont venus à la sortie de l'école pendant un an et demi. Ils ont fait vraiment beaucoup de forcing pour que je fasse ça plus professionnellement. Et puis, ben, j'ai dit oui parce que j'aimais bien. Qu'est-ce que votre grand-mère, par exemple, est-ce qu'elle vous a donné des conseils sur comment gérer la notoriété? À l'époque, comment faisait-elle, elle, pour gérer sa notoriété avec Gérard Houry? Et qu'est-ce qui a changé depuis, en fait? C'est une question d'époque aussi. En fait, ma grand-mère, le seul conseil qu'elle m'ait jamais donné dans sa vie, c'est surtout d'avoir un métier de secours. Oui, parce qu'elle est très douée. Elle, je pense que d'être le cinéma, c'était son métier de secours. C'est pour ça qu'elle a si bien réussi. Vous souhaiteriez être comédienne aujourd'hui? Oui, en fait, c'est pas que je souhaite être comédienne, c'est que je pense être née comédienne. Et je pense devoir la légitimer maintenant. Voilà. T'as l'impression que c'est plus difficile pour quelqu'un de connu ou que c'est plus facile, au contraire? Il y a je pense qu'il y a des démarches qui doivent être plus simples du fait de la célébrité. Et je pense qu'elle doit être, comme beaucoup, attendue un peu au tournant. C'est-à-dire que les gens doivent attendre peut-être à tort un peu plus d'elle que d'une autre comédienne, puisque quand même, elle est la petite fille d'eux.
Mais ça me fait pas peur, en fait, parce que bon, c'est... J'ai pas peur du tout de ça. Avant, j'avais peur de... d'être attendue au tournant ou quoi que ce soit, mais là, je sais que... Alors, il y a quelques temps, Sarah, la presse People s'est largement immiscée dans votre vie privée. Est-ce que ça vous a fait changer de regard sur la notoriété ? La presse People, ouais, oui, la presse People, dans les mauvais moments de votre vie de couple. Est-ce que ça a été dur à traverser pour vous, ou est-ce que vous étiez prévenue par votre... C'était pas une très très belle période, c'est sûr. Bon, mais j'étais très entourée à ce moment-là par ma famille. Ah bon. Et encore une fois, j'assume tout ce qui s'est passé. C'est vrai que c'était une période où je faisais pas attention particulièrement à ma vie personnelle. Donc, vous aviez 20 ans, à peu près. Oui, voilà, et j'ai pas fait attention. Je savais qu'il y avait des paparazzis dans la rue, mais j'ai pas fait... beaucoup d'efforts pour me soigner physiquement et aussi pour soigner le public qui vous fait, qui vous lit et voilà. Donc, vous regrettez ça ? Bien sûr, je regrette parce que c'est... Qu'est-ce que vous regrettez précisément ? Non, je regrette de ne pas avoir fait attention à mon image parce que je suis tellement... je sais pas... Faites attention à vous. Non, mais ouais. Oui, voilà, je suis très méticuleuse, je suis tellement maniaque et extrémiste sur ça, de faire attention jusqu'au bout de mes ongles. Quand j'ai vu des photos avec les cheveux pas bien coiffés et des articles mauvais, je me suis dit, là, c'est difficile pour moi. Quelle leçon vous gardez de ces expériences négatives autour de ce parfum de soufre qui avait accompagné votre vie de couple ? Oh, ça m'a construite pour l'avenir. J'ai des armes maintenant et voilà. Bon. Vous avez déjà eu les paparazzi, vous, la presse People, contre vous ? Non. Ou avec vous, ou sur vous, en tout cas ? Non. Vous êtes prête pour ça ? Non. Laissez-moi tranquille. Vous, ça vous est arrivé, déjà ? Moi, ça m'est arrivé, mais je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt. Quoi. Enfin, nous, on fait notre métier, mais quand on est dans la rue, moi, dans la rue, je suis Rebecca, donc dans la rue, j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, quoi. Alors, en plus, c'est doublement compliqué pour vous, parce que votre mari est comédien également, et en plus, il joue dans la série. Ah, je me suis mariée depuis tout à l'heure, donc... Ah, oui, pardon, mon mari est comédien. Pardon, alors, excusez-moi, vous n'étiez pas au courant, alors votre compagnon. Oui, mon compagnon est comédien, et dans la série, oui. Comment ne pas devenir schizophrène et avoir un dédoublement de la personnalité? C'est très facile, on ferme la porte du studio et... Et on oublie tout? Il vaut mieux. Vous arrivez à ne pas parler de votre série que vous tournez parfois 10 à 12 heures par jour? Mais on est obligé d'en parler parce qu'on la travaille le soir pour le lendemain. Ah oui, donc quand vous fermez la porte du studio, vous restez quand même un peu dedans encore. Oui, mais on travaille. C'est-à-dire que dans le studio, quand on est sur le plateau, je veux bien être Céline Frémont. Je veux bien tout casser sur le plateau, ça m'éclate. Mais quand je rentre à la maison, je suis un peu plus tranquille, quoi. Quoique. Non, je suis plus tranquille à la maison que sur le plateau. Caroline, moi j'ai l'impression de bien connaître votre histoire en préparant cette émission avec toute mon équipe. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ne la connaissaient pas. C'est là qu'on voit qu'on a pris un petit peu d'âge aussi. Quand le succès vous est tombé dessus, c'était dans les années 80 ? 86, très précisément. Voilà. C'est le moment où j'ai fait ma première télévision aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'en souvient, tout ça. Vous étiez en mal de reconnaissance ? Vous cherchiez quelque chose en particulier ? Oh non, j'étais pas du tout en mal de reconnaissance. Non, moi j'avais déjà fait un premier album, j'étais comédienne, j'avais fait des choses avec des gens très très branchés à l'époque. Et on a fait ce single comme ça, qui est devenu ce tube énorme, auquel on ne s'attendait pas du tout à un tel succès. Mais je n'étais pas du tout en mal de reconnaissance. Quand vous l'avez... Je rêvais des stars hollywoodiennes. J'étais fascinée par le cinéma et par des actrices comme Judy Garland, comme Mae West, comme des personnages comme ça. Ah, Mae West, il faudrait faire un... Oui, mais c'est surtout là que ça se passe. C'est surtout là. Mae West, qui avait une super phrase, elle disait... Un homme, elle lui disait « Vous portez un revolver ou vous êtes juste content de me voir ?» Vous la connaissez, entre autres, évidemment. C'est la Watt a changé... Is this a gun in your pocket or you're happy to see me? Oh, en version originale. En version originale. Donc, C'est la Watt a changé votre vie à l'époque. Ça a duré quelques années. Non, c'est pas que ça a changé ma vie à l'époque, ça a changé ma vie complètement. Tout court. Voilà. Ça l'a changé subitement à l'époque quand le disque est sorti. Plus. Et depuis, ça l'a changé également. 200 000 exemplaires vendus. Oh non, plus. Plus que ça, j'ai l'impression plus que c'est pas beaucoup, 200 000. Disque d'argent, on a fait, donc c'est déjà 450 000. Et puis après, ça a été numéro 1 en Italie, 3 en Espagne, 10 en Allemagne. Enfin bon, ça a tourné un peu dans le monde entier. Une chanson assez incroyable qui dénotait tout ce qu'on a entendu. Oui, une espèce d'ovni. Un ovni, et je pense que c'est pour ça aussi que ça a été un peu compliqué. Si on peut faire la même chose avec la clim, pardon de vous couper, Caroline. J'adore quand on parle de la clim sur mon interview, je te dis pas comme ça me fait plaisir. On est désolé, mais c'est vrai qu'il fait. Tu veux pas parler de la clim sur l'interview de. On l'a dit aussi avant, mais pendant. Pardon. C'est pas personnel. Hein. Ben non, on manquerait plus que ça. Alors on va regarder un extrait. Vous vous souvenez de C'est la Watt ? Ouais. Oh bon, d'accord, allez, un extrait de C'est la Watt. Paresseuse, paresseuse, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. Passive, elle est pensive,
en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. Vous avez eu le temps de la revoir, vous, j'imagine. Pardon? Vous avez eu le temps de la revoir plusieurs fois, ce clip? C'est pas le clip, ça. C'est quoi? Je sais pas, c'est une télé, mais c'est pas le clip. Le clip, c'est vous pas êtes ça. Dans la ouate, comme ça, c'est oh, pas mais le clip? Oh, j'étais dans la ouate plus d'une fois, mon cher ami. Ah bon. En quoi ce tube a changé votre train de vie, d'abord, du jour au lendemain? En fait, quand la chanson est sortie, j'habitais dans un appartement au dernier étage et c'était l'hiver, donc puisque c'était en octobre. Et en décembre, quand ça commençait vraiment à cartonner, il neigeait, il y avait un trou dans le toit et il nous neigeait dessus. Donc c'était quand même un peu rock'n'roll. Et tout de suite après, j'ai déménagé. Évidemment, bon, l'argent commence à rentrer, voilà, la vie change. J'étais comédienne avant, j'étais dans le spectacle. Et donc, en tant que comédienne, je faisais des petits boulots et c'était pas toujours, pas toujours beaucoup d'argent. Tout à coup, le pognon tombe. Et qu'est-ce que vous en avez fait de ce pognon? C'est la what. je me suis amusée, j'ai flambé, j'ai adoré ça. Voilà, l'argent c'est extrêmement facile à dépenser, si vous saviez. Ouais. Donc non, ce qui s'est passé surtout, c'est que après, bah, ça n'a pas trop suivi. Il y a eu pour pas mal de raisons, tout le monde était un peu dans le potage. Il n'y avait pas que moi, il y avait les gens autour, il y avait les gens dans la maison de disque. Enfin, c'est une époque aussi des années 80. Le potage. Assez destroy. Tout le monde était. Tout le monde était camé, en gros. Oui, obscurci. Plus ou moins. Et donc, ça s'est pas enchaîné. Et ce qui se passe, c'est que quand on part sur un espèce d'élan comme ça, très fort, parce que c'était vraiment l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, c'était un peu quasiment international. Les fans qui hurlent. Les fans qui hurlent, la foule en délire, les gens qui s'arrachent les cheveux et tout. On se dit, ça y est, je fais les Beatles et les Rolling Stones, c'est formidable. Ouais. Donc on continue, on se dit, ça va pas s'arrêter. On fait un album qui va pas très bien pour. Bon, on se dit, ça fait rien, j'en ferai un autre. Et puis après. Non, on n'en fait pas d'autres, plus personne n'intéresse plus personne, et voilà, donc ça devient un peu compliqué. Ça conduit ringard du jour au lendemain, le mot a été prononcé tout à l'heure? Non. Dans la perception qu'a le métier, hein, je veux dire. Non, je crois que j'ai jamais été ringarde. Je suis passée de très à la mode à plus du tout à la mode, mais pas ringarde, je crois pas, has-been, oui. C'est le titre de mon roman. Je me suis amusée à écrire un livre là-dessus. Parce que vous je parlez me suis... du has-been, comme on parle du célibat, vous. Ben oui, oui parce qu'en fait... Ce qui se passe depuis quelques années, et ça c'est vraiment la télé je crois qui a fabriqué ça, c'est que le has-been est devenu un people. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une émission où il n'y a pas le has-been de service. Ça fait 13 ans que je fais de la mise en scène et que je fais des spectacles qui marchent très bien, qui ont des très belles critiques, qui remplissent les salles, etc. Et bravo. Quand je suis invitée pour des spectacles comme ça qui sont vraiment, dont on pourrait parler pendant quelques minutes, je m'aperçois que les interviews tournent autour de « alors c'est plus la what, c'est plus la what ». Alors je me suis dit, bon, c'est quand même assez fascinant. Vous savez, le thème qui nous réunit ce soir quand même, Caroline, vous étiez prévenue avant. Oui, bien sûr, oui. Mais ce qui me fascine, c'est justement qu'en tant que chanteuse de variété qui a fait un tube, quelle que soit la chose que je fasse maintenant, ça reste toujours occulté par le succès. Pourquoi, à votre avis? Ça a beaucoup marqué, hein, je crois, d'abord, cette chanson. Oui, ça a beaucoup elle était, marqué. Elle était très mais... bizarre, elle ne s'inscrivait pas dans c'est ce une lignée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était un ovni, et le fait que ce soit un ovni, ça a fait que je me suis retrouvée ovniesque moi-même. Comme j'avais coécrit les paroles et que j'incarnais la chanson, quand ça n'a plus marché, c'est moi qui ai porté l'échec de ce qui a suivi, alors que les personnes qui ont créé la chanson avec moi ont continué à travailler. Je crois qu'il y a eu un phénomène très particulier qui s'est créé sur moi. Je pense que ça arrive à d'autres chanteurs, mais... Vraiment, je l'ai vécu très très fort. J'étais devenue un 45 tours. J'étais devenue la chanson. Et je regardais les interviews des comédiennes qu'on appelle par le prénom de leur rôle et je me dis, mais elles ont de la chance. On les appelle par un prénom. Moi, on m'appelle par C'est la Ouate. Vous imaginez? C'est comme si on vous appelait, ça se discute. Ça arrive. Oui, ouais, ça vous arrive. C'est quand même assez sidérant. Et j'étais à Avignon cet été pour un magnifique spectacle qu'on reprend là dans très très peu de temps à Paris, qui s'appelle Les Bijoux. Oui. Donc c'est Baudelaire, mis en musique par Léo Ferret, hein. Et donc je tractais avec la comédienne parce que j'adore le théâtre et j'adore tout faire dans le théâtre. J'aime savoir comment on met les lumières, comment on installe un plateau. Enfin bon, je trouve que tout est intéressant et pourquoi pas tracter parce qu'on voit le public. En plus, c'est le truc très sympa à Avignon, c'est qu'on rencontre le public. Les bijoux, c'est la ouate, c'est la ouate. Les bijoux. Ça, encore l'été dernier? Oui, 20 ans après, c'est un truc de fou. Et alors vous êtes là, mais vous savez, c'est un très beau spectacle. Ouais, c'est la ouate, c'était bien. Je me dis, mais attends, quand est-ce qu'ils vont décoller, quoi? Parce que moi, j'ai décollé il y a longtemps, hein, je vous préviens. Ça vous énerve?
ça me saoule, comme on dit. Oui, ça saoule. C'est ça qu'on dit aujourd'hui, ça saoule. Ouais, ouais, ouais. Parce que je suis absolument ravie d'avoir fait un tube. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir fait un tube qui continue à tourner 20 ans après, qui passe pour une pub. Je rencontre des gamins, ils n'étaient pas nés, je pourrais être leur grand-mère, ils connaissent la chanson. Ça me fait très plaisir. Mais je pense qu'il y a un petit problème avec les médias. C'est-à-dire que quand je suis invitée, c'est... pour raconter. Alors, ou pour la chanter, la chanson, parce qu'il y a eu le retour aussi des années 80, le retour des années 70. Oui, il y a eu ça. Il y a eu les émissions People spéciales années 80. J'en ai fait quelques-unes. J'ai même fait des galas, je le raconte dans le livre. Et ça m'a fascinée de voir ces gens qui se sont retrouvés il y a 20 ans sur des plateaux et qui se retrouvent maintenant... À faire des tout petits galas. À faire des galas. C'est pas une question de tout petit, c'est de super merdique. C'est surtout ça. Parce que petit ou grand, c'est ce que je voulais dire, en fait. Oui, c'est pas une question de taille. C'est plutôt glauque. Et ça m'a fascinée. Et je me suis dit, là, c'est vraiment... Il y a une matière à fiction, à film ou à roman. J'ai trouvé ça assez étonnant. Et ces gens qui continuent à vivre dans l'image de ce qu'ils étaient avant, c'est-à-dire qu'ils continuent à avoir des affiches avec leur gueule d'avant, des cartes postales avec leur gueule d'avant, sauf que c'est plus la gueule d'avant. Et avec le tube, quand le tube passe, cette espèce de bulle dans laquelle on se retrouve tous, et moi la première, parce que bon, si je le raconte, c'est que je l'ai vécu et que ça donc m'a... vous l'avez fait, voilà. Oui, mais ça m'a fascinée. Parce qu'effectivement, quand le tube passe, on est dans la quatrième dimension. C'est-à-dire, on n'a plus 50 ballets, 45 ballets, 60 ballets, parce qu'il y a des gens qui continuent à faire des galas, qui ont fait des dans les années 70, hein, et eux, ils continuent à tourner aussi très bien. Mais dès que la chanson passe, tout le monde est projeté 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. C'est un truc absolument. Oui, c'est un album photo qui revient en arrière, chacun se souvient de l'âge qu'il avait, ce qu'il faisait à cette époque-là, oui, etc. Oui, on est ailleurs, ça vous passe, on bascule dans un ailleurs, c'est étonnant. C'est les autres, vous dites, qui ont d'abord changé autour de vous avant que vous ne changiez vous-même de comportement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier cercle? Ben, ce qui se passe, c'est ce que je raconte dans le livre, la télé, elle fait écran. Bon, évidemment, ça ressemble à une gimmick, mais c'est vrai. C'est-à-dire que dès qu'on passe dans le poste, et personne ne me contredira ici, le regard des autres change. Et même si soit on sort, on se sent normal, on ne sent pas qu'on a tellement changé, mais le regard des autres change et change... Et les autres, y compris vos parents vous... Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Alors, il y a peut-être des familles où le regard des parents ne change pas. Très franchement, j'en doute un peu, parce que je pense qu'on est tous pareils. Et moi, je suis comme les autres, je suis comme les autres. Quand j'ai une copine ou un copain qui tout à coup devient une star, je le vois plus pareil. Les parents, ils vous voient plus pareil. Les parents, ils se prennent la grosse tête aussi. Les petits copains, tout change. Tout le rapport est différent. Non, je suis désolée, non. Pas du tout. On n'a pas vécu la même chose, de toute façon, chacun après a sa... Non, mais vous dites personne ne va me contredire, mais c'est vrai que le regard du public... Non, mais le regard des gens qu'on ne connaît pas peut-être effectivement change sur nous, mais moi je sais que le regard de ma famille, que ce soit ma mère, mes frères et sœurs, mon père, ça n'a pas changé du tout. Vous dites que vos parents vous ont même demandé des autographes, limite. Non, ça c'est dans le personnage du livre qui raconte. Ouais. Parce que bon, j'ai fait un roman, j'ai pas voulu faire un témoignage ou un récit, j'ai voulu faire un travail littéraire. Un roman inspiré de la réalité, ouais. Un roman inspiré de la réalité. Je dis, les parents sont limite de demander un autographe. Ils ne demandent pas d'autographe, évidemment. Mais je pense que quand même, il y a quelque chose qui change dans la perception de l'autre. Ouais, ça fait des années, ça fait 20 ans de ça. Je trouve que. Ça on n'a pas pris un coup de vieux, hein, c'est dingue. Non, quand on est comme sur les affiches, c'est ça. Mieux que sur les affiches. Qu'est-ce que je préfère ma gueule de maintenant, si vous saviez. Ah oui. Je me suis trouvée moche sur ce tournage, c'est atroce. Parce que vous en avez des mauvais souvenirs. Je n'ai pas que des bons souvenirs, c'est sûr. Mais surtout, qu'est-ce que je vais mieux. Parce que c'est vrai que c'est arrivé en 86, c'est après les années Palace, les années 7, on sortait tout le temps, on était tous complètement défoncés du matin au soir. C'était fun, mais en fait... Votre argent, vous l'avez surtout donné à votre dealer, c'est ce que vous avez dit à préparer l'émission. Non, voilà, ce que je raconte dans le livre, ce qui m'a amusé, si vous voulez, parler de la drogue, je peux pas dire que ça me passionne, parce que je trouve pas que ça soit un sujet de conversation très, très, très intéressant. Ce que je raconte, c'est que quand on est un people, quand on a du pognon, quand on est connu, tout devient gratuit. On vous file des fringues, on vous paye des coûts quand vous rentrez dans les boîtes, vous voulez payer l'addition au restaurant, vous dites non, c'est pour moi. Le seul endroit où il faut payer cash, c'est chez le dealer. Voilà, c'est ça, ça m'a amusé de raconter ça comme ça et de faire des blagues avec la drogue qui, franchement, c'est tellement loin que... J'ai l'impression que ça n'a pas été le plus dur. Le plus dur, ça a été surtout le problème d'argent, de niveau de vie, non? Ce qui a été le plus pénible à vivre. Non. Le problème, c'est pas le problème d'être le célébrité. C'est le problème, c'est d'être reconnu pour une chose et que toutes les autres choses qu'on fait, il y a une espèce de mur, de déni, comme si ça n'existait pas. C'est comme l'iceberg. Alors, il y a le 1/9 ou 1/10 de l'iceberg et tout le reste, qui est le travail que je fais de mise en scène, d'écriture, etc., c'est comme si ça n'existait pas. Les problèmes d'argent,
on a l'habitude dans notre métier. Il y a toujours, on s'appelle intermittent du spectacle, c'est pas pour rien. Il y a des mois où on a de l'argent, des mois où on n'en a pas, des années où il y a... je bouffais des pâtes avant, j'en ai bouffé après, j'adore ça. Mais là, ça a été beaucoup d'argent et plus d'argent, vous avez quoi? Plus d'argent, ça m'a fait beaucoup de bien. J'allais beaucoup mieux avec plus d'argent qu'avec beaucoup d'argent. Parce que le problème d'avec beaucoup d'argent, c'est qu'il n'y a plus de limites. Et quand on n'a plus de limites, quand tout est possible, quand tout est à portée de main, quand les... la libido est en freestyle, quand le clarfeuille c'est tac tac, la carte bleue, on fait même plus gaffe, parce que bon, c'est vrai que j'étais comme ça, on devient dingue, on devient idiot et on perd la notion de réalité. Et vous avez facilement retrouvé la réalité ensuite? Facilement, aller faire ses courses. Ça prend un petit peu de temps. Combien de temps ça vous a pris? Ça prend du temps, mais maintenant je sais qu'un sou est un sou et je peux pas dire que j'ai pas complètement changé, ça serait idiot de le dire. Mais même fauché, il y a toujours moyen de se la péter. C'est pas une question d'argent. Le problème, c'est pas d'être fauché ou d'avoir de l'argent. Le problème, c'est d'avoir un cadre. Et c'est vrai qu'avec la célébrité, tout à coup, tous les cadres explosent. Même à 30 ans, parce que vous aviez quel âge à l'époque? Et pourtant, j'étais déjà vieille. Non, je veux dire vieille. Vieille par rapport à Séverine Ferrer qui a commencé à 8 ans et demi, ça c'est sûr. Mais même à 30 ans, absolument. Et c'est ça qui me fascine aussi, c'est que je pense que c'est un métier où on peut péter les câbles à n'importe quel âge, à 30 ans, à 40, à 50, à 60, à 70. C'est pas du tout quelque chose qui est réservé aux gens de 14 ou 15 ans. À l'époque, je disais, j'ai de la chance, j'ai déjà 30 ans, ça va. Pas du tout. Pas du tout. On devient fou, forcément, parce qu'on vous renvoie tout le temps que... qu'on est la reine d'Angleterre, qu'on est la meilleure, la plus... Alors évidemment, au début, on se dit, c'est vrai, il était temps qu'ils s'en rendent compte. C'est ça, voilà, ils s'en étaient pas aperçus avant. Ils s'en étaient pas aperçus avant, quelle bande de nazes. Mais bon, sauf que la réalité, heureusement, elle est là pour vous remettre les pendules à l'heure. Je vais demander à Jacques Pradel de venir nous apporter ses éclairages. Jacques, venez vous asseoir à côté de Séverine, s'il vous plaît. Bonjour Jacques, je suis content de vous voir. Comme vous voulez. De toute façon, ce sera à côté de Séverine. Par rapport à Caroline, vous parlez encore de perdu de vue aujourd'hui, 20 ans après? Ou bien sûr, 15 ans après? Très souvent, non, c'est 10 ans après. 10 ans après. 10 ans après la fin. Oui. Et ça a duré 7 ans, donc un septennat. Et donc c'est vrai, oui, bien sûr, il y a ce côté très étrange pour moi, parce que moi aussi j'ai largement tourné la page, j'ai fait de la radio, j'ai fait d'autres reportages, des films. Bon, donc pour moi c'est un moment de mon passé que je renie absolument pas. C'était une expérience professionnelle formidable. À la limite, je le referais si ça se représentait, parce que je sais pourquoi je l'ai fait. Par contre, c'est vrai que... Alors ce qui est stupéfiant, c'est la notion du temps du public. Il y a des gens qui me disent, mais alors perdu de vue, alors on ne vous voit plus à la télé, alors je dis, non, mais ça fait quand même 7 ans, il faudrait quand même commencer à vous y habituer, ou 10 ans, quoi. Et les gens disent, mais c'est pas arrêté depuis si longtemps, c'était quand? C'était il y a 2 ans, il y a 3 ans? Je dis, non, c'était il y a presque 10 ans. Donc il y a cette notion du temps, et qu'on retrouve en radio d'ailleurs quelquefois. Je vous ai proposé personnellement un projet il y a quelques années, Jacques, en vous disant, oui, que ça vous intéresserait de présenter une émission comme celle-ci, etc. Et vous m'avez dit, non, la télé, c'est là vraiment, là, merci, quoi. Alors voilà, alors bon, puisque vous merci, en parlez. Vous aviez... Alors, on disait que Caroline a connu son succès à 30 ans. Vous remontez sur scène avec ce spectacle, Miss Tinguette, Madonna et vous, c'est ça? Miss Tinguette, Madonna et moi, et vous. Oui, oui, je remonte sur scène à partir du 27 novembre, tous les lundis, dans un petit théâtre du 11e. À Paris, voilà. Mais pour reprendre ce que vous dites, puisque vous en parlez vous-même, je peux vous dire pourquoi j'ai refusé à l'époque cette proposition. J'ai trouvé professionnellement, parce qu'on a toujours un regard professionnel sur les choses, et puis ensuite on a un vrai problème, un enjeu personnel. Et moi, je veux dire, si j'étais un peu naïf à une certaine époque de ma vie professionnelle à la télé, c'est peut-être justement d'avoir pas trop réfléchi, non pas à faire ou pas faire perdu de vue, mais à faire d'autres émissions. C'est-à-dire à me surexposer d'une manière que... avec des conséquences que je n'ai pas comprises à l'époque, parce que, comme le disait Morandini au début de l'émission, on vit dans une bulle, on est avec une équipe, on fait un travail, c'est 8-10 heures par jour, et quand on a 2-3 prime time par mois sur une station qui s'appelle TF1, on ne fait que ça. Et c'est vrai qu'on mange en pensant à ça, on dort en pensant à ça, le lendemain on se réveille, il faut aller bosser. Vous étiez déjà un homme de radio et... extrêmement accompli, quoi. Je veux dire, vous aviez fait toutes ces années à terre, c'est ça, vous aviez quel âge quand tu as démarré, perdu de vue, pardon de parler d'âge? Mais... j'avais 43 ans. Ouais. Voilà. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je veux dire, heureusement que vous aviez fait quelque chose avant, qui avait de quoi rebondir, parce que Jean-Marc, ça a été plus dur pour lui, Jean-Marc. Mais bon, donc pour aller très très vite à la fin, ce que je voulais vous dire, donc on fait pas deux fois les mêmes erreurs. Et quand vous m'avez proposé de faire cette émission, j'ai trouvé que professionnellement c'était un truc qui allait fonctionner, que c'était bien, mais c'était plus bien pour moi, pour une simple raison, c'est que j'ai toujours été animé dans ma vie professionnelle, que ce soit à la radio ou à la télévision,
par ce petit virus de l'exploration, cette petite satisfaction personnelle de dire ce que je vais faire. Personne l'a fait, personne n'avait fait Perdu de vue. Alors après, on peut dire ce qu'on veut sur l'ancêtre de la télé-réalité ou pas, mais il se trouve que quand je l'ai fait, c'était tout neuf et j'ai vécu ça, oui, pleinement. Donc ce que m'avait proposé, c'était quelque chose qui permettait de retrouver du public, enfin, c'était pas très éloigné finalement du rapport que j'avais avec le public au moment de Perdu de vue. Et je me suis juré, parce que j'estime que... Oui, voilà, et j'estime simplement que j'ai encore des choses à dire, et peut-être à montrer au public, mais plus sur ce registre-là. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a du mal à nous projeter dans autre chose que ce qu'on a fait. Ah, voilà. Et c'est terrible, parce qu'en même temps, moi, je sais que je vais revenir à la télévision, je vais le faire prochainement, mais c'est... en tout cas, ce sont des choses radicalement différentes de ce que j'ai fait jusqu'ici, parce que j'aime me mettre en danger, en effet, essuyer les plâtres. C'est tellement bon d'avoir cette nouveauté et de se remettre en danger et de réessayer autre chose. Moi, c'était une aventure professionnelle formidable. Perdu de vue au départ, vous étiez sur le concept, sur l'objectif de l'émission, vous étiez d'accord sur cette mission de service public, vous trouviez ça très bien, savoir retrouver des gens qui étaient perdus. Bon, on va pas prendre des grands mots. Je pense que si on avait fait Perdu de vue sur le service public, pour le coup, je pense que peut-être que le destin de l'émission... Cela dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ait dérapé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça n'a pas dérapé. Qu'est-ce qui a dérapé? La perception que les gens en avaient. Et moi, j'en ratais au public. Ça dépend de qui on parle. Non, ça dépend de qui on parle. Je parle de la critique, malheureusement. Je ne parle pas du public. Voilà, parce que le public, moi, la dernière émission de Perdu de vue, il y avait 7 millions, un petit peu plus de 7 millions et demi de spectateurs. Je crois que ça fait encore rêver quelques producteurs ou quelques animateurs. Donc, de ce côté-là, le public n'a jamais fait défection. Par contre, moi, je voulais faire défection. Parce que 7 ans, c'est très long. Donc, et j'ai pas été viré. Je suis allé à la fin d'un contrat. Et puis, à la fin de ce contrat, on a constaté avec TF1 qu'on avait vraiment plus rien à se dire. Parce que j'estime qu'ils ont pressé le citron, si vous voulez, pour être clair. Je le regrette. Parce que. Mais comment le citron peut se laisser presser du haut de ses 40 ans et ses 20 ans de radio? C'est très simple. Parce qu'on peut être naïf et on peut commettre des erreurs et on peut penser que des gens qui sont autour de vous, que ce soit des producteurs très proches ou la direction de la chaîne va vous entendre. Et moi, 2 ans avant la fin de Perdu de vue, j'ai commencé à en parler d'abord avec Pascal Brugnaud parce que c'était mon interlocutrice, c'était elle la patronne, c'est elle qui a inventé. Créatrice de Psycho. Et qui a inventé Perdu de vue. Moi, j'ai rien inventé là-dedans. Je lui disais, Pascal, anticipons. Le public en aura marre un jour ou moi, je vais en avoir marre. Faisons autre chose, j'ai envie de faire des trucs. Est-ce qu'on décline ce genre d'émission? Parce que pour moi, elle était formidable, cette émission. C'était quoi l'émission d'après? Après Perdu de vue, enfin, ou concomitante. Après, il y a eu Témoin numéro 1 qui a duré 4 ans, hein, qui était une émission dont j'estime ne pas avoir à rougir du tout, malgré un certain nombre de polémiques. Mais enfin, cette émission, elle a été faite sur la place publique, avec des accords avec le ministère de la Justice. C'est à l'époque de Roswell que vous en avez pris plein la figure, j'ai l'impression. Peut-être, mais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Roswell? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il peut se passer avec une émission. Faire une émission de télé, c'est à haut risque. À partir du moment où on incarne les choses. Vous savez, quand il y a eu le Loft, par exemple, est-ce qu'il y a eu des articles contre l'émission Le Loft ou est-ce qu'il y a eu des articles contre l'animateur? Est-ce qu'on a dit, mais qu'est-ce que ce type vient faire ici à présenter l'émission aussi nulle? Bon, oui, et plus vous incarnez l'émission, et moi je suis comme ça, c'est mon côté un petit peu comédien, c'est-à-dire on me donne un rôle, vous le prenez à 100%, bon, oui. Et je l'ai fait pour Perdu de vue. Donc du coup, attaquer l'émission, c'était attaquer son animateur, et ensuite, je crois qu'on est un pays aussi qui est spécialiste des tempêtes dans les verres d'eau. C'est-à-dire qu'on va voir des scandales, on va en chercher. Quand il n'y en a pas, on remet la goutte qu'il faut pour que ça devienne une affaire d'État. Et comme disait, je ne sais plus qui disait ça, peut-être vous tout à l'heure, non, ça n'est que de la télé. Non, c'est Jean-Marc. Oui, Jean-Marc, bon, ça n'est que de la télé. Je veux dire, si ça ne vous plaît pas, vous changez de chaîne. Mais il n'y avait pas de chat à fouetter. Je vous posais la question sur Roswell. Oui, bien sûr, je vous ai bien entendu, mais je n'ai pas du tout envie d'en parler. Ah, vous avez pas du tout. Dites-moi alors. Oui, je vous le dis, mais. Je vous le dis, mais en vous répondant quand même, si vous voulez. Parce que moi, ma réflexion... Non, parce que Roswell, je me dis bien, bon, ça y est, c'était il y a 12 ans, 13 ans, bon. Je l'ai fait en conscience, parce que j'ai pensé qu'il y avait une affaire. Comme j'explique dans... Je publie un livre ces jours-ci, comme vous le savez, et j'explique, là aussi, je repars dans le bizarre, dans l'étrange, dans l'insolite, on va dire, mais alors, ça lui colle à la peau. J'ai un quart de mon bouquin sur une enquête que j'ai faite en Haïti, où j'ai traqué des zombies, et j'ai essayé de comprendre, est-ce que les zombies... Les zombies des morts vivants? Des morts vivants, ah oui. Alors, est-ce que c'est un thème de science-fiction? Ou est-ce que, vraiment, quand on dit, tiens, il y a des zombies, on a rencontré des zombies, un type qui était enterré, on l'a retrouvé vivant 10 ans après,
Si vous n'y allez pas voir, vous n'avez aucune occasion de résoudre l'énigme. Bon. Moi, je l'ai fait. J'ai fait cette démarche-là. Je suis revenu vivant d'Haïti, à une époque où c'était assez compliqué, sous Baby Doc. Il y a beaucoup de vaudou là-bas. Il y avait beaucoup de vaudou. J'ai fait une enquête. J'ai acheté la drogue. J'ai découvert avec un ethno-botaniste américain qui était sur place en train de faire la même enquête que moi. Nous avons acheté ensemble, on a cassé notre tirelire et on a acheté quelques grammes de poudre qui n'était pas blanche d'ailleurs, mais grise, que nous avons ramené, moi en Europe et lui en Floride. Nous savons maintenant quelle est la drogue qui est utilisée par les sorciers du vaudou en Haïti pour créer une mort apparente. Et j'ai été au bout de cette enquête. Comme j'aurais pu donc le faire... Donc votre réponse, c'est de me, c'est de me dire que l'irrationnel voilà. Vous a toujours intéressé. L'irrationnel m'a souvent intéressé. Ce n'est pas l'irrationnel qui m'intéresse. C'est le mystère. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Bon. Si on ne va pas voir... Et j'ai pris des risques. Avec Roswell, je me suis cassé la gueule. Pourquoi je me suis cassé la gueule. C'est peut-être parce qu'il n'y avait rien derrière la porte. Bon, en tout cas, j'ai fait la démarche. Mais la dernière chose que je voulais vous dire, ce qui me stupéfie avec le recul de tout ça, c'est que pendant 10 ans sur France Inter, j'ai fait des tas d'émissions sur le bizarre, l'étrange, le paranormal, les fantômes, etc. Parce que ça, j'ai du mal à croire que vous pensez, que vous croyez à tout ça, Jacques. J'y crois pas du tout. J'y crois pas un seul instant. C'est moi non plus. Hein. Je vous dis parce que vous me paraissez tellement rationnel. Non, ça rassure des gens que quelqu'un dise je n'y crois pas. Effectivement, j'ai pas de mal à vous le dire. Je n'y crois pas. Mais je trouve que ce sont des événements supposés ou des événements qui sont de l'ordre de l'expérience intérieure pour un certain nombre de gens. Moi, je me moque pas de quelqu'un qui me dit j'ai vu un fantôme hier. J'essaie de comprendre quel sens ça a dans sa vie. Je ne crois pas aux fantômes. J'ai envie d'aller voir parce que c'est un moteur de gamberge aussi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait ça pendant près de 10 ans à la radio. Jamais il y a eu un scandale dans un journal. J'ai fait ça 3 minutes à la télé et c'est devenu une affaire d'État avec la tête de l'extraterrestre. On m'a fait dire des choses que je n'avais jamais dites. En plus, il suffisait de revoir la cassette de l'émission, de prendre le script qui était à la disposition de tout le monde. Jamais c'est les guignols qui ont amplifié ça ? Bien sûr, moi ça me fait encore rire aujourd'hui, les chants de Noël chantés par la marionnette de E.T., c'était formidable quoi. Bon. Je m'en souviens plus. Moi je m'en souviens parce que Je me souviens du sketch des inconnus dont on parlait tout à l'heure, mais je ne vais pas déguiner. Mais si vous voulez, bon voilà, moi j'ai vécu ça, je réponds parce que vous me posez la question, mais très franchement ça me casse les pieds parce que pourquoi, alors je reviens à ce que disait Caroline tout à l'heure, pourquoi 10 ans après, 13 ans après, la seule chose qu'on puisse dire à quelqu'un qui est toujours vivant, on peut le constater tous les matins en m'écoutant sur Europe 1, mais qu'est-ce qui pique les gens pour revenir sur ce truc-là ? Mais à part ça, j'ai fait de la télévision sur le service public, j'ai travaillé aux Enfants du Rock, j'ai fait du direct pendant un an comme ça. Et la radio. Et puis un jour arrive TF1, perdu de vue, petite émission de deuxième partie de soirée qui n'aurait pas dû faire parler d'elle. Et un jour, on fait 4,5 millions de spectateurs à minuit. Le lendemain, c'est vrai que j'étais dans le bureau d'Étienne Moujotte et que tout le monde brutalement se demandait quand on allait mettre cette émission en prime time. Ce qui a été fait. Et ce que j'appellerais le vrai dérapage médiatique, de notoriété, de célébrité, c'est à 20h30. C'est parce que les gens, parce que moi je fais toujours le même boulot, je suis toujours le même, j'estime que les gens qui ont participé à cette émission pour retrouver des gens qui leur manquaient, on leur a fait du bien. Cette émission qui faisait du bien. Et quand on se dit, mais alors, à quoi ça sert d'aller se montrer dans une émission de télé ? Là, on savait pourquoi. Oui, on allait parler de choses peut-être un peu intimes, de blessures, de fêlures, de choses qui... Vous savez, les gens se sentent toujours coupables de ce qui s'est passé dans leur vie. Est-ce que mes parents sont séparés parce que je suis né ? Pourquoi mon père m'a pas reconnu ? J'aimerais bien revoir ma sœur. Bon. Finalement, l'émission était très noble. Et à dans mon sa avis, mission, bien sûr. Et moi, si j'avais eu à le souhaiter, j'aurais préféré qu'elle reste à 22h30, parce qu'il y avait vraiment du monde. Et à partir du moment où on est passé à 20h30, alors là, tout le monde s'en empare. Et puis, le personnage dont on parle dans la presse tous les matins s'éloigne de vous, quoi, au fur et à mesure que le temps passe. Comment vous expliquez à vos enfants, vous parlez de vos enfants qui regardaient les guignols tout à l'heure, c'était charmant. Comment vous expliquez à vos enfants la différence entre la réalité de leur papa, ils devaient la connaître. Ça, je crois que de ce côté-là, elles n'ont jamais. Non, mais en tout cas, de ne pas être perméable à toutes ces attaques que vous preniez dans la figure. Perméable, elles ont souffert, comme tous les enfants de personnes un peu connues ou qui ont de la notoriété, parce que les enfants ne sont pas tendres entre eux et que dans la cour de récréation, c'était pas facile à l'époque, entre l'émission, les articles dans les journaux, les guignols, effectivement, que tous les mômes regardent. Donc, elles ont dégusté. Je le regrette d'ailleurs encore aujourd'hui pour elles. Et pourtant, on vivait à la campagne, elles étaient dans une petite école, etc. Mais vous savez, quand vous êtes au centre de tout ça, c'est formidable. J'étais dans un petit village.
Au bout de 3 mois, les gens disaient, il va se présenter à la mairie. Il y a des gens qui venaient sonner à la porte de la maison pour dire, c'est vrai que vous présentez à la mairie? Bon, après ça, j'avais vendu ma maison à Depardieu. Et alors, j'ai assisté à toutes ces espèces de rumeurs locales qui se répandaient comme des traînées de poudre. Et tout ça, c'est un peu les dommages collatéraux de la notoriété, si vous voulez. C'était un soulagement à l'époque où ça s'est arrêté. Ah oui, oui. Ah oui, bien sûr. C'était devenu trop dur. J'ai vécu un an de soulagement total, parce que c'est vrai que le simple travail, les campagnes de presse, le travail quotidien, il y a un stress quand même important. Alors moi, je fais comme Morandini, j'ai pris 15 kilos, mais je ne les ai jamais perdus. Mais bon, et quand ça s'arrête, qu'est-ce que ça fait du bien quand même. Bon, du coup, j'ai eu 3 ans d'ailleurs pour m'y faire, parce que je n'ai pas retrouvé de boulot non plus derrière. S'il y a un jour une occasion de refaire une émission de télé, je le ferai, à condition de trouver le bon concept et de savoir pourquoi je le fais. Et que ce ne soit pas une redite. Exact. Ouais. Caroline, ce qui nous tue pas, nous renforce, vous avez l'impression? Absolument. J'ai l'impression en vous écoutant. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et pour ça, il faut savoir aussi traverser un trou qui est difficile, être patient. Il faut avoir la patience de traverser ce désert et travailler. Et je pense que ça peut être très salutaire, justement, de passer par ce moment où on a l'impression d'être tout seul dans le vide. Parce que tout le monde a parlé de reconstruction et je trouve ça assez, assez étonnant, parce que c'est vrai que c'est comme subir un attentat. Déconstruction et ou un reconstruction. Viol. C'est vrai qu'on se retrouve en vrac et qu'il faut remettre le puzzle, refaire l'image et faire une plus belle image et une image plus forte. Rebecca et Juliette, vous êtes les deux des personnages phares du feuilleton Plus belle la vie, dont ça cartonne tous les soirs sur France 3. Ça n'a pas cartonné tout de suite, donc en plus, je pense que le succès est plus profitable dans ce sens-là, parce qu'on a le temps au début de se dire, vous encore au début, vous n'étiez pas très présente, mais vous, dès le début, vous étiez très présente, se dire, bon, bah, c'est pas gagné d'avance. Et puis peu à peu, ça a vraiment explosé. Aujourd'hui, c'est 4 à 5 millions de personnes qui regardent tous les soirs. Même 5 à 6, alors vous vous rendez compte. Vous êtes est-ce que vous avez été la première surprise par l'engouement soudain du public, ou est-ce que vous pensiez que ça allait exploser un jour ou l'autre? Non, moi j'ai été très surprise, enfin on était nombreux à être surpris. J'avais jamais fait une série comme ça qui n'avait pas de fin. C'est-à-dire qu'on savait pas trop pour combien de temps on posait nos valises à Marseille. Moi j'ai mis 3 mois avant de vraiment sortir mes affaires, j'ai juste ouvert la valise. Vous habitez Marseille aujourd'hui? Beaucoup. Mais c'est vrai que c'était surprenant, mais au début, moi je pensais pas du tout au succès ni à ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'au début, on est arrivé, on nous a parlé d'un projet, c'était tout nouveau. Tout le monde prenait des risques, on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire. Moi, je partais donc de quelque chose que je faisais sur TF1, puisque j'ai décidé de partir pour aller tourner. Qu'est-ce que vous faisiez sur TF1? Je travaillais sur Il n'y a que la vérité qui compte avec Fontaine et Bataille. Qu'est-ce que vous faisiez dans Il n'y a que la vérité qui compte? Je sais Rebecca. Vous faisiez vous-même? Voilà, Rebecca, c'est moi. Non, oui, en fait, moi, j'accueillais les invités. Puisque le système, c'était ça aussi, des personnes qui cherchaient à retrouver d'autres personnes. Moi, j'allais leur apporter une invitation, pour la plupart. Je les faisais revenir dans la loge, je les accueillais. Les accompagnais, quoi. Voilà, je les détendais un peu, ou je les stressais un peu s'ils étaient trop détendus. Et après, on les envoyait dans le couloir. Ça vous plaisait? Je me suis pas mal régalée, oui, oui. Ah. Enfin, moi, ça me plaisait parce qu'à cette époque-là, en plus, je travaillais pas beaucoup. Moi, je suis comédienne, j'ai commencé à 8 ans aussi. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais arrive cette série où c'est tout d'un coup projet. J'ai passé le casting. Ouais. Moi, ça me plaisait de partir à Marseille. Ça me plaisait de tenter autre chose. Ah, oui, c'était vraiment une aventure tout à fait nouvelle pour la France. Et pour tout le monde, c'est-à-dire, oui, pour la France. Comment vous avez mesuré le succès, l'arrivée du succès? À quoi vous l'avez vu? Aux chiffres. D'audience. Aux chiffres d'audience, oui. Les comédiens connaissent les chiffres d'audience tous les matins? Oui, on peut monter dans le bureau de la production, tout est ouvert. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, Juliette? Faut vous protéger maintenant? On vous reconnaît beaucoup? Me protéger, non, pas spécialement, mais c'est sûr que si un magasin est censé fermer à 20h50 et vous voulez juste faire une petite course, et ben, le vigile vous dit allez, passez. En même temps, quand on fait les courses, les gens épient, si c'est Juliette, mais regarde ce qu'elle achète. Ah non, on est plus regardé, on est attendu, mais les gens on a des rapports très tendres, quoi. Parce que les gens qui n'aiment pas ce genre de série, ils ne regardent pas. Donc c'est vrai que. On se sent parfois épié, un peu dérangé. Tout à l'heure, Morandini disait que parfois les jeunes étaient un peu arrogants face au succès, etc. Mais c'est vrai que parfois on me donne une importance qu'on trouve démesurée. Donc les gens ne se rendent pas compte qu'on peut être aussi gêné qu'eux, quoi. Une petite fille qui pleure à la sortie de l'école parce que tu passes devant et que t'es comme ça, quoi. C'est pas que tu veux pas lui dire bonjour, c'est que tu souris et tu t'en vas parce que c'est. Tu sais pas quoi le dire. Ouais, et puis on n'est pas préparé à ça, quoi. Mais ça, je pense pas que ce soit une question d'âge, mais vraiment. C'est vrai que. C'est juste que. Ah, moi, j'ai vu des gens de 50, 55 ans, 60 ans prendre la grosse tête d'un coup d'un seul. Non, mais c'est pas la grosse. C'est pas une question de grosse tête. C'est un fantasme d'être riche, mais la réalité de la chose est complètement différente. Ouais, c'est ça. C'est donc la deuxième, troisième saison déjà de Troisième saison de Plus belle la vie sur France 3. Beau succès pour ce feuilleton qui réunit.
5, 6 millions de spectateurs par jour. C'est un succès parfois un peu déstabilisant pour ceux qui n'y sont pas préparés, comme tous les succès. Nous sommes venus vous rendre visite donc à Marseille, sur les plateaux. Ça va être une découverte pour beaucoup, dans les coulisses du tournage, cette série qui plaît tant. L'occasion aussi de faire le point sur ce phénomène grandissant des séries de télé et de celles qui, et ceux qui incarnent les rôles principaux. C'est un reportage d'Anne-Céline Lettry et de Karim Chaouch. Plus belle la vie caracole aujourd'hui en tête des séries françaises les plus regardées. C'est sur France 3 que tous les soirs, à 20h20, plus de 5 millions de téléspectateurs peuvent suivre leur série préférée. Rebecca Hampton et Juliette Chen sont deux des comédiennes récurrentes du feuilleton. Dans Plus belle la vie, Rebecca se glisse dans la peau de Céline Frémont et Juliette, elle, joue sa petite sœur. Inconnues du grand public auparavant, elles doivent désormais s'habituer à la notoriété. Ça crie souvent. Oh, c'est Juliette! Parfois, on se sent un peu agressé parce qu'on sent que ce n'est pas le moment dans notre vie privée ou qu'on met mal à l'aise les gens avec qui on est, que tout d'un coup, on nous donne une importance qu'on trouve excessive. Mais attends, c'est génial. Hein. Moi, je ne veux pas donner ma place. Hein. Moi, je suis Rebecca et j'ai du mal à imaginer que ma vie privée puisse intéresser les gens. Le boulot, je comprends complètement. Enfin, c'est le côté Céline Frémont, oui. Maintenant, le côté Rebecca Hampton, ce que je mange au petit déjeuner et ce que je fais dans la journée, c'est un truc qui m'étonne. Donc, c'est pas le meilleur côté, on va dire, du métier. Oui ? Rebecca ? Ouais. On y va ? C'est bon. 5 épisodes de Plus belle la vie sont tournés par semaine. La cadence des tournages est intense. Les acteurs font en moyenne 3 prises par scène. Pour être prêt, il faut donc répéter et répéter. Allez. Un peu de romantisme, je vous dis, moi. Un peu de romantisme, je vous dis, moi. Aucune femme au monde n'y résiste, malgré ce qu'elle dit. Quoi qu'elle en dise. Quoi qu'elle en dise. Un peu de romantisme, je vous dis, moi. Aucune femme au monde n'y résiste. N'y résiste. Quoi qu'elle en dise. Quoi qu'elle en dise. Nous, on va aller travailler. Et on est mal, parce que moi, je connais pas bien mon texte. Mais non. Je connais tous les jours, aujourd'hui, je connais pas. Non, un peu de romantisme, je vous dis, moi. Aucune femme au monde n'y résiste, quoi qu'elle en dise. Yes, I. Du romantisme dans les textes, du romantisme dans les coulisses. C'est sur le plateau de la série que Rebecca a rencontré Serge Dupire. Plus belle la vie est au centre de leur couple. Et c'est comment de jouer avec la personne qui partage sa vie? Avec mon compagnon? Oui. Bon, tu te dépêches, on est à la bourre, ok? Ouais, mais je suis prêt, moi. Voilà, ça se passe comme ça. Ça se passe... Mais c'est génial, c'est super agréable. C'est super agréable dans le sens où, comme on travaille ensemble de toute façon à la maison et quand on arrive ici ça va plus vite, il y a de toute façon une vraie complicité, on n'a pas besoin de chercher et ça se passe, enfin je sais pas, moi je dis que ça se passe très bien, il faut lui poser la question. Non, c'est plutôt agréable. Et est-ce que la maison, Plus belle la vie, fait partie de vos sujets de conversation ou... Ben, je dis oui. Hein. Par la force des par la force des choses, oui, on est un peu, on en parle, mais sinon on a une vie aussi, quand même. Merci infiniment, on est parti. Voilà. Hey, regarde, c'est un décor. Hein. C'est quoi ce fait là? Allez, en silence, merci. Action. Bon, on part ce soir en week-end et tu veux toujours pas me dire où? C'est une surprise. Bah oui, mais moi, il faut bien que j'en sache un peu plus. Au départ, les auteurs de Plus belle la vie ont voulu recréer le quotidien et la vraie vie d'un quartier de Marseille. Un pari réussi sans star du petit écran. J'avais pas les moyens d'aller chercher les stars, entre guillemets, de la télévision. Et puis, on voulait parler vrai et en même temps, on n'avait pas envie de mettre cet écran médiatique entre le téléspectateur et le personnage qui allait être impliqué dans le feuilleton. On a beaucoup de chance parce que le retour public est très positif. Mais c'est vrai qu'il y a les comédiens aujourd'hui n'arrivent plus à traverser la rue sans signer 3 autographes. Ça fait partie du boulot qu'on fait. Il y a des moments où c'est un peu agaçant parce qu'on n'est pas toujours à même de répondre aux gens, de faire la bise à tous les gens. Puis on n'a pas forcément envie de faire 15 autographes. Vous êtes super. Hein. Ah bah c'est gentil. Ton rôle de méchante, super. Merci. Ah, c'est un rôle, merci. Elle me croit pas, c'est ma sœur et elle pense que je suis méchante dans la vie. J'essaie de lui expliquer. Voilà des gens qui ont tout compris, quel bonheur. C'est vrai que du jour au lendemain, quand on rentre dans 8, 9, 10 millions de foyers et qu'on y reste pendant 6, 7, 8, 9 semaines, forcément, votre notoriété, votre travail est reconnu, vous êtes reconnu dans la rue, vous avez des articles dans les journaux. Donc il est clair que la télé est un démultiplicateur absolument fabuleux.
Aujourd'hui, il y a à peu près 180 chaînes qui sont disponibles pour le spectateur. Il y en a à peu près une centaine qui diffusent de la fiction. Et sur une journée normale en France, on doit pouvoir voir à peu près 400 séries. Action ! Face à cette concurrence, France 2 réussit à fidéliser le téléspectateur depuis plus de 10 ans. Pour les comédiens, le succès de ces séries sert parfois de tremplin. Il y a un vrai public pour PJ. C'est une série quand même très populaire. Donc forcément, oui, il y a un impact. Je pense qu'on peut faire une grande carrière en étant acteur de série et on peut faire une grande carrière d'acteur de série. Donc est-ce que je pense que la série peut m'enfermer dans quelque chose? Oui, bien sûr, ça enferme dans quelque chose. En tout cas, pour les gens du métier, quand on fait de la télé, en tout cas une série depuis si longtemps, on est identifié à un personnage. Et c'est... y a des avantages, des inconvénients. Donc peut-être qu'indirectement, pour eux, dans leur carrière, ils ont la chance d'être dans une série qui marche. Mais à l'inverse, ça ne leur amène pas forcément, ça ne leur ouvre peut-être pas forcément d'autres portes en dehors de celle de la télévision. Est-ce que ça pose question, ça? De savoir si ça peut vous fermer des portes. Je sais pas. En fait, je sais pas. Je pense que c'est un... Je le comparerais un peu au fait d'être célèbre avant même de commencer. Comme Sarah? Oui, par exemple. Mais je pense que quand on arrive maintenant pour passer un casting, c'est vrai que les gens se disent « Ah, je la connais, elle, c'est Céline Frémont de Plus belle la vie, par exemple. » Et donc, je suis obligée, moi, de travailler un peu plus pour leur montrer que je ne suis, du coup, là, ni Rebecca, ni Céline Frémont, mais même un autre personnage. Même au professionnel. Ben ouais, parce qu'ils ont aussi l'habitude de nous voir là-dedans et que c'est vrai qu'on est un peu catalogué rapidement, quoi. Ils n'en sont pas moins spectateurs, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Et parfois, ils demandent un autographe pour même des réalisateurs ou des auteurs, quoi, d'autres séries, d'autres feuilletons. Ils disent, bon, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon, c'est pour ma fille. Donc c'est vrai que... Bernard a tourné dans Sous le soleil, lui. Vous en gardez des bons souvenirs? Excellent souvenir, mais je continue. Hein. Je vais tourner prochainement encore dans d'autres choses. Et la différence avec une grosse série populaire qui passe à la télévision toutes les semaines ou tous les soirs, comment vous la faites, cette différence, vous? Oh ben, la différence est essentielle parce que les vraies stars actuellement, enfin celles qu'on reconnaît le plus, sont celles des séries. Parce que moi, je vois, quand on se balade avec des stars du cinéma français, il n'y a pas l'émeute qui existe avec... Et je veux dire par là que... Je pense qu'il y a plus de respect pour des comédiens de cinéma qui sont des comédiens et tout le monde se dit, tiens, tu sais qui j'ai croisé? J'ai croisé Catherine Deneuve. Mais personne ne va aller lui taper dans le dos en lui disant, vas-y, claque-moi deux bises, je suis trop contente de te voir. Vous devriez le faire, tiens, ce serait rigolo. Nous, on est dans leur télé, on est chez eux tous les jours, donc le rapport est plus simple, bien sûr. Vous la regardez, la série? Parfois. Laurent, vous l'avez vu, la diffusion de l'émission Mon incroyable fiancé? Est-ce que vous l'avez regardé? J'en ai vu un avec... Vous n'avez pas tous regardé? Non, pas tous. J'ai vu le premier. Le premier, on l'a vu tous ensemble, avec toute l'équipe, parce que c'était quand même une belle expérience humaine, professionnelle, et pour tout le monde. Et les équipes ont été... toutes les équipes techniques, finalement, se sont pris au jeu, et tout le monde est resté relativement soudé. Donc on a fait une première diffusion tous ensemble. Adeline était avec nous. Sa famille n'était pas venue, mais elle était venue avec nous. Donc il y a eu vraiment ce premier effet. Et j'en ai vu un autre avec mes parents, parce que je pense qu'il y avait besoin d'un soutien psychologique à la maison. Ah bon? Oui. Pour eux, surtout? Pour eux, oui, de le faire ensemble, de pouvoir expliquer, de pouvoir comprendre... certaines choses, parce que pour eux, j'ai des parents qui sont fonctionnaires tous les deux. Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas. Par rapport à vos parents dans cette fiction-réalité, c'était très différent, donc il a fallu qu'ils... Voilà, c'était un peu d'accompagner, de les accompagner sur quelque chose qui pour eux est vraiment effectivement un peu un ovni, quelque chose qui débarque dans leur vie alors qu'ils n'avaient rien demandé. Comment ils ont réagi ? Bien, ils se sont pris au jeu finalement, au jeu du truc, et ça leur a plu, et c'est vrai que... Autant, tout à l'heure, on disait la famille ne change pas, tout ça. Si, le regard change. Moi, j'étais pion avant dans un bahut. Je veux dire, mes parents, ils étaient très fiers de moi. Ils étaient très contents que j'ai un travail. Voilà, je m'occupe de jeunes, ça se passait bien. Mais j'ai senti dans le regard la différence quand le jour où on rentre à la maison, elle dit « Alors, ça s'est bien passé hier ? 11 millions ?» Puis on sent le regard qui, malgré tout, le petit pétillement dans l'œil, qui est plus le même que quand je disais j'ai mis 3 heures de colle. Parce que leurs amis leur en parlent aussi. Parce que les amis en parlaient, parce que quand ils se sont retrouvés, ils sont fonctionnaires, donc ils ont beaucoup de vacances. Et comme l'émission était l'été, on l'a vécu un peu ensemble en famille, il y avait l'appréhension de retourner au travail et... Alors, ma maman travaille aux impôts, donc en plus, alors. Et non, finalement, elle a eu un retour relativement positif de tout le monde, de dire oh, c'était super bien. Ça les a rassurés. C'était l'été 2005, mon incroyable fiancé. Quelques images. Voici Adeline,
une jeune fille romantique à qui l'on offre la chance de sa vie. Mais la chance de sa vie va se révéler être un vrai cauchemar. Laurent Ournac, un comédien inconnu du grand public et l'incroyable fiancé. Un personnage odieux, vulgaire, un poids lourd de 130 kilos et une certaine notoriété. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Il y a une vie mortelle, hein. Hey, les pauvres, ça vous dérange pas d'avoir des baraques de chiottes à côté de la mienne? Il m'exaspère, je peux plus, je supporte plus. Ça monte. Oh merde, je suis un méchant garçon. Champagne. Il m'a envoyé une serviette, s'il te plaît. Ça me saoule. Une comédie qui a été très suivie par le public, avec un personnage qui avait... plus de défauts que de qualités. Est-ce que quelles sont les remarques que vous avez entendues à ce sujet de la part des spectateurs? On a été tous surpris, c'est-à-dire que l'émission est arrivée au début de l'été et la façon dont ça a été présenté, on n'a pas tout de suite compris que c'était un comédien qui jouait ce rôle-là. Et c'est vrai que les premières bandes-annonces diffusées par TF1 se résumaient à lourd, vulgaire, gros. Donc très négatif, je me rappelle. Surtout grossier, vulgaire. Grossier, vulgaire. Il y a eu une émission, la toute première interview que j'ai faite, c'était justement chez Morandini sur Europe 1. Et il y avait déjà des associations de personnes obèses qui venaient là pour dire c'est un scandale. Laurent, on est loin de l'effet Catherine Deneuve, enfin je veux dire, où on n'ose pas taper dans le dos, etc. J'imagine. Ah ben c'est justement, c'est-à-dire que je ne ressemble pas à Catherine Deneuve, ni à Gérard Depardieu. Et puis dans le comportement, je me suis retrouvé dans des situations où effectivement on nous assimile au personnage très rapidement. Moi, je me suis retrouvé à boire des cafés au comptoir et les mecs arrivent. Ah putain, t'es trop drôle! oui, bonjour. Je suis d'une nature relativement timide dans ma vie privée et un peu en dehors de tout ce système-là. Et donc, je dis, tu l'as baisé l'autre? Et d'un coup, on se dit, mais c'est mon meilleur ami, ce monsieur. C'est vous travaillez où? Et c'était très franc, c'était vraiment on est entre calme, potes. Vous êtes énervé? Non, moi je reste calme. Et puis je pensais avec le sourire, parce que je trouve ça touchant malgré tout, justement la démarche des gens de venir comme ça discuter autour d'un café. Je suis un peu comme Daniel Gilbert, moi. Hein, j'aime bien ce côté, ce contact avec les gens. Donc le retour, il est hyper agréable, que ça soit comme ça dans les cafés, que ça soit. Ouais, ça m'est arrivé, moi aussi, une petite fille pleure en me voyant de joie dans une rue à Amiens. Et on se dit, mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Pourquoi dans quelle mesure Laurent Fortin a changé votre vie, Laurent Ournac? Il a changé ma vie. C'est l'émission qui a changé ma vie. C'est pas le personnage qui change ma vie. C'est l'émission. C'est-à-dire que c'est effectivement une mise en avant d'un coup qui m'a sorti de mon lycée, qui m'a sorti de mes plans foireux de théâtreux qui marchaient pas. Et d'un coup, il y a tout TF1 qui prend le truc. Allez, il y a des attachés de presse. On te met là. Vous avez réussi à suivre le rythme? Finalement, on s'y prépare. Effectivement, c'est des émissions qui sont souvent tournées longtemps avant la diffusion. Et on a le temps de réfléchir à comment on va essayer d'aborder ça le plus sereinement possible, de profiter de ce qui arrive, parce qu'il y a des choses profitables. Et en même temps, effectivement, moi, mon métier, être célèbre, c'est pas un métier. Mon métier, c'est d'être comédien. Ce que j'avais envie, c'était de pouvoir tourner. Et aujourd'hui, effectivement, depuis cette émission-là, j'ai tourné 4 films, 2 pour TF1 et 2 pour le cinéma. Et effectivement, Bonne chance, Laurent, parce que vous êtes aussi un tout jeune homme. Et effectivement, c'est un accélérateur de carrière important. Ouais, et puis vous prenez bien les choses. Gaëlle est avec nous dans le public. Gaëlle, quelques questions. Vous êtes journaliste, auteur de documentaires sur les people. Vous avez publié aux éditions First, c'était juste avant l'été, People, mode d'emploi. Vous intéressez de très près à nos stars. Vous avez même établi différentes catégories de stars. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, je me suis amusé D'abord pas sur les stars, sur les people. People. Alors, un people, pour juste simplifier les choses, c'est hyper difficile de parler en se voyant dans le grand écran derrière. faites attraction. Un people, c'est quelqu'un qui est connu et qui en tire un avantage, qu'il soit financier ou des avantages en nature, comme on a pu en entendre parler tout au long de l'émission. Et dans les people, moi, je me suis amusé à discerner 5 catégories. Au sommet de la pyramide, on a le people star. L'exemple typique en France, c'est Johnny Hallyday. C'est une véritable star qui joue le jeu des people, qui commercialise sa vie privée, qui commercialise toute sa vie dans l'ensemble, qui gère extrêmement bien sa communication. En dessous,
en dessous, c'est pas du tout péjoratif de le dire, mais en tout cas, moins star. Niveau 2. Nous avons les people à géométrie variable. On en a un très bel exemple sur ce plateau, c'est Séverine Ferrer, qui est le lundi animatrice, le mardi comédienne, le mercredi chef d'entreprise avec sa marque de vêtements, et qui va multiplier les exercices. Et avec, dans le cas de Séverine en tout cas, beaucoup de talent et beaucoup de réussite. Oh, j'ai l'impression que Johnny Hallyday aussi, il a multiplié les exercices quand même. Il était comédien, il a eu des boîtes de nuit, enfin tout ce qu'on a entendu. Johnny Hallyday, à l'origine, c'est ce qu'on appelle un entertainer. Un mot qui n'existe même pas en français, on parlait de, du pays des étiquettes. Un divertisseur, quelqu'un qui est effectivement un artiste capable d'être comédien, d'être chanteur, et puis qui s'est aussi livré à d'autres exercices. Il rentrerait aussi tout à fait dans la catégorie des people à géométrie variable, mais avant tout, c'est quand même une star. D'accord. Donc un people. Alors, troisième degré maintenant. Troisième degré, on a les people professionnels. Les people professionnels, ce sont des gens qui vivent de leur métier de people, qui finalement, si on leur demande à l'origine quel est leur métier, ça a été par exemple le cas pendant longtemps, au début en tout cas, de Sarah Marshall, qui vivait de sa notoriété, qui avait très jeune, et ça c'est brillant, compris comment elle pouvait exploiter cette notoriété familiale qu'elle n'avait pas méritée, qui venait de sa famille. Elle en a fait un système commercial avec son ami de l'époque, son mari de l'époque. Ça n'a pas fonctionné éternellement. Mais au départ, c'était ça. Ils avaient des marques qui les payaient pour porter des vêtements, qui les payaient pour sortir, sans avoir de véritable métier. Mais c'est très bien. C'est pas du tout une critique que j'en fais. On a dîné ensemble avec Gaël plusieurs fois. Ah bon, d'accord, okay, vous connaissez. Non, c'est absolument pas une critique. Non, mais... C'est quelqu'un qui, au contraire, a eu l'intelligence de comprendre comment fonctionnait le système. De toute rouge, Sarah. Oui. Parce qu'il a raison, c'est vrai. La quatrième dimension, si j'ose dire. La quatrième dimension, ce sont... C'est parce que je suis au courant qu'il a écrit sur moi depuis 10 minutes. Enfin, avant l'émission, il m'a dit, au fait, j'ai écrit un truc dans mon livre. D'accord. Donc voilà, je suis ravie de savoir que je suis la troisième catégorie, salaud. Quatrième dimension, allez, Gaël. Je te promets, il n'y a rien de méchant. Ouais, je veux bien le bouquin. Hein. Tu vas l'avoir. Quatrième et cinquième. Ça, c'est people de demander le bouquin au lieu d'aller l'acheter. Quatrième et cinquième catégorie. Alors la quatrième catégorie, c'est les people revenants. C'est quelqu'un qui revient soit pour exploiter une ancienne gloire et rien d'autre, comme Plastique Bertrand ou tous ceux qui ont été invités dans des émissions et qui peuvent remercier en deux mots pour toutes ces émissions qui ressortent des anciennes gloires dans type la ferme. Type la ferme. Oui, type la ferme, Daniel. Et Daniel Gilbert. Le côté désagréable de la vie des people, tous ceux qui ont été à la une des journaux quand ils l'ont pas choisi en ont fait les frais. Vous dites qu'il n'y a pas lieu de se plaindre? Moi, je trouve que... Si on regarde bien, il y a quand même une masse d'avantages énormes quand on est célèbre ou quand on est un people, pour des inconvénients qui, finalement, quand on écoute les people se plaindre, le plus souvent, on entend quoi? Râler sur les impôts. Alors, on en fait des chansons, c'est Florent Pagny, c'est Johnny Hallyday. Vous aviez fait, vous, une émission, Que sont-ils devenus, avec des boys bands et des anciens comédiens qui, pratiquement tous, ont pleuré sur le fisc qui s'était acharné sur eux. Mais ça, c'est peut-être un problème d'éducation en France. Peut-être qu'en troisième, il faudrait faire des cours magistraux pour prévenir tout le monde qu'en France, on paye des impôts, parfois 60%, que les inspecteurs des impôts ne sont pas complètement idiots. Qu'un paiement au black pas déclaré, c'est une fraude fiscale. Et tout ça, ce serait peut-être important, effectivement, de le rappeler, parce que nous, on n'a que les yeux pour pleurer quand ça nous arrive, alors que les people, ils peuvent en faire des chansons, ils peuvent aller sur les plateaux pour pleurer là-dessus. En dehors de ça, quels sont les inconvénients de la notoriété? On entend beaucoup les jeunes qui débutent dans les émissions se plaindre, ou dans Starac, par exemple, se plaindre, effectivement, des paparazzi. Ah, c'est terrible, j'ai plus de vie privée. Et il n'y a pas que les jeunes. On a encore aujourd'hui un grand animateur du 20h qui régulièrement hurle sur les paparazzi. Mais ce n'est pas une nouveauté. Quand ils ont débuté leur métier, pour ceux qui deviennent célèbres, quand on veut devenir célèbre, quand on veut faire un métier, on se renseigne pour savoir comment fonctionne ce métier. Je ne crois pas que ça fonctionne toujours comme ça, Gaël. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Pourquoi est-ce que ce serait le seul métier où on ne devrait pas se renseigner pour le faire? Je pense que même pour les autres métiers, parfois, on ne se pose pas la question au fond, et puis ça devient son métier. On ne se lève pas, on n'est pas gamin et on ne se dit pas, tiens, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Être célèbre? Non, métier, on se dit, je veux être comédien, je veux être danseur, la célébrité, chanter. Il y a une personne qui va vous contredire dans cet assistant, je remercie Gaël, c'est Jean Barbera. Où est-ce que vous êtes, Jean? Je suis ici. Vous voulez devenir célèbre, c'est ça l'histoire? Oui, c'est ça, et je tenais particulièrement à vous remercier très profondément de m'avoir invité. Oui, je sais que vous êtes content d'être là, mais pourquoi vouloir devenir célèbre à tout prix sans même avoir un métier? C'est en cours. Comment dire ça? Pourquoi être célèbre? Moi, à la base, je veux faire partager ma passion. C'est quoi votre passion? Moi, c'est la télévision. Ah oui? Ben oui, on revient toujours à ça. 3000 cassettes, 5 magnétoscopes. Vous avez vu La Nouvelle Star, vous connaissez ça forcément, jeune homme, ça dure quelques secondes. Je suis un rescapé.
necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa mi patia, y arriba y arriba. Ba la bamba, ba la bamba, para ba la la bamba. Et vous enregistrez toutes vos prestations à la télé. Qu'est-ce qui vous attire dans la célébrité? Mais écoutez, justement, vous en parliez il y a 30 secondes, on y arrive des fois sans le vouloir. C'est vrai qu'à la base, je ne voulais pas être célèbre, puisque moi, j'avais un métier tout à fait ordinaire. Lequel? Je suis employé de bureau à la base. Et puis malheureusement, le chômage faisant, on se laisse attirer par des rêves style Starac, télé-réalité. J'ai voulu travailler à la télé, ou dans l'ombre, ou dans la lumière. Et pour finir, je suis un petit peu dans la lumière. Qu'est-ce que ça vous apporte comme plaisir? Ça me fait grand plaisir. Ici, je représente le peuple belge. Alors ça, si on les salue avec la plus grande déférence. Mais d'accord, écoutez, vous serez l'ambassadeur. Merci, Jean Barbera. On a Daniel Gilbert de nous rejoindre pour la conclusion. Venez, Daniel. Vous avez des bottes magnifiques, Daniel. Est-ce que vous pouvez encourager Daniel, s'il vous plaît, et son chausseur? Bonsoir, Daniel. Daniel, qu'est-ce que vous garderez de cette émission? Déjà, je trouve que toutes les personnes qui étaient sur le plateau, ont leur notoriété surtout par la télévision, quel que soit le chemin de départ. Ce que je trouve, ce qu'ils ont tous, c'est qu'ils sont très touchants, que ce sont des êtres humains, que chacun a ses fêlures, a ses faiblesses, et que je comprends très bien qu'on puisse être touché parce qu'on parle un peu de la vie privée, etc. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de distance, mais surtout, par rapport à ce que moi j'ai vécu, depuis pas mal de temps, il a trop longtemps, ça veut dire que les années ont passé. C'est bien, c'est ça. Comme... Oui, c'est très bien. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a tellement de presse people, il y a même des livres sur les people, n'est-ce pas, Gaël? Donc, ils ont besoin d'alimenter. Ça s'accélère par rapport à vos débuts, oui, vous trouvez? Oui, ça s'accélère beaucoup. Et je pense que c'est tellement lié que, effectivement, pour des personnes qui découvrent la célébrité, des très jeunes, je peux comprendre que ça les désarçonne. Mais ce que je voudrais dire, c'est que avoir du succès, ça veut dire, surtout quand c'est la télévision, quel que soit le moyen, le terrain où on s'exerce, c'est avoir un contact avec les gens, avec le public. C'est quelque part recevoir de l'amour des gens. Moi, je sais que je suis une boulimique d'affection. Et pour moi, la célébrité, être connue, c'est ça que ça m'apporte. Merci Daniel d'être venu. Je remercie tous nos invités. À la prochaine fois. Bonsoir. Pour un prochain Ça se discute, nous recherchons des témoignages. Votre conjoint ou un de vos parents travaille dans le milieu du sexe. Vous avez honte du comportement actuel ou passé d'un de vos parents. Un membre de votre famille a commis un acte répréhensible par la loi. Vous avez du mal à assumer la profession de votre conjoint ou de vos parents. Contactez-nous au 01 53 84 30 55.